Eh bien, le bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Hop, attends, on va tourner ça de manière. Ah, voilà. Hop, pas de reflet, on est bien. J'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau live en ce lundi matin. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, une très bonne journée. On était sur un petit week-end rallongé des familles. Et ça, c'est plaisant. C'est très plaisant. Ça fait très plaisir. J'espère que vous êtes bien reposé, que vous avez profité de faire tout ce que vous vouliez. Aujourd'hui, live un peu différent d'habitude. On va pas faire de rétro. Enfin, on va faire surtout une console que je ne possède pas, qui n'est pas la mienne. Et en plus de ça, comment ça s'appelle, qui n'est pas rétro, qui est encore d'actualité, qui se vend encore. Quoique je pense qu'on a déjà fait des consoles sur cette chaîne qui était déjà d'actualité. Genre la PS Vita. Est-ce qu'elle était encore d'actualité quand je l'ai modifiée? Je ne sais plus. Et c'est Lucoultouane, cool, comment tu vas? Ouais grave, overdose de 3DS. Petite overdose de 3DS. Ah, ça va pas trop. Du coup, je fais une petite pause avec les 3DS. Hein, on en a déjà fait 3. Et c'est ta playlist, effectivement. Celle que tu as envoyée. Alors, malheureusement, je l'entends pas beaucoup. Il faudrait que j'en mette une. Que je me rajoute une enceinte ou un truc dans ce coin-là. Pour avoir le son qui sort de là. En vrai, je pourrais faire sortir le son par la télé. Mais après, je peux pas trop le régler, donc c'est chiant. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à ce gros bébé. Bah ouais, ta playlist, je l'ai écouté, il y en a plein qui étaient cool. Après, il y en a certaines, c'est vraiment la BO de la série, donc forcément, moi qui connais pas, bah c'est un peu compliqué. Mais sinon, ouais, je trouvais la playlist cool, donc je me suis dit, bah pourquoi pas la mettre. C'est là, principalement, ce que j'écoute aussi, donc ouais, je l'ai mise. Je l'ai mis, je pense qu'elle est bien, elle va plaire. Donc voilà. On va faire un premier test que je n'ai pas fait. C'est la brancher. Ah, une téloche. Ah, j'ai même pas besoin de ça en fait. Ah, mais je vais perdre cet écran-là. Oh, c'est chiant, en tous les cas, je perds tout mon setup ici. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. En fait, on a un port HDMI. Je sais pas si on peut le voir. En fait, on a notre prise HDMI. Et si je zoome, en fait, il y a un des pins sur le côté. Bah, on le voit de toute façon. Sur chacun, il est présent. Et sur celui-ci, il n'est pas là. Juste un petit truc de monitoring en HDMI. Ouais, peut-être. Ouais, faut le voir. Et salut Bulliend, comment vas-tu? Et salut Aruma. Ah ouais, tout le monde arrive en même temps. C'est cool. Donc ouais, on voit bien notre câble HD, notre port HDMI. Bah déjà, j'espère que vous allez bien. Oh la malpolitesse. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un très bon week-end rallongé. Donc là, si vous regardez bien, on a tous les petits connecteurs qui dépassent à chaque. Et là, celui-ci, il est coupé. Donc du coup, ça marche plus. Ça marche plus le HDMI. Tout simplement. Et donc, faut le changer. Donc ça va être la mission de ce soir. On va pas le changer. On va essayer de l'enlever. Parce que la dernière fois que j'ai essayé d'enlever un HDMI sur une console récente, c'était une Xbox. On va quand même la brancher, hein, autant qu'à faire. Hein. C'est pas grave si ça bouge mon setup, je le referai. De toute façon, en plus, je l'ai là, je l'ai en double setup. La film samedi, et je peux même pas voir le stream en 720p alors que j'ai en moyenne. Ah, alors attends. Faut voir tes paramètres aussi. Il n'y a pas que la connexion qui fait le taf. Hop, on branche ça. Ouais, déjà si t'es en wifi, c'est mort. Faut faire en câblé, hein. C'est quand même le mieux. Quitte à passer en. Ça se branche où ça? Quitte à passer en. Merde, ouais, j'y arrive pas, tant pis. Oh, attendez, en plus, je vais vous montrer ma nouvelle scène que j'ai fait tout seul.
comme un grand. Attendez, je vais vous montrer ça. Si je prends ma mousse, que je mets là, que je mets ça, j'ai ça. Et si je mets ça, qu'est-ce qu'il dit? Oh là, il cache tout. Enfin, OBS, c'est bien, hein, mais des fois, c'est pas bien. Alors voilà. Ouais, c'est chiant. Ah, tu connais bien, bon, ça me va alors, tu vas m'aider. Et salut Esketjoke. Ah bah en plus c'est Esketjoke qui se pointe à ce moment-là, mais alors toi, nickel. J'ai un appart de 25 mètres carrés, la box est derrière le panneau technique en métal à 6 mètres de moi. Ah. Ouais ouais, elles se reflètent, elles sont jolies, hein. Mes trois petites... j'ai mis trois petites lampes... Oula, rampes de LED sur mon objectif. Je suis assez content, c'est cool. Ah bah oui, je vois ça. Salut Mister Fruity, salut Ketul Njiu. Njiwi, bienvenue à vous. Et donc du coup, on va essayer d'allumer cette play et on va voir. Et donc là, nouveau rendu, est-ce qu'il va s'afficher comme je veux? Non, ça va pas du tout. Hop, on revient avant, pas de spoil. Ah ouais, mais du coup, je peux même pas le monitorer en fait. C'est n'importe quoi. Bon, alors attendez, désolé. Tac, on va passer en comme ça. Screen and cam, vous allez voir tout le setup, tant pis. Hop. Pourquoi lui, il est au-dessus? Alors qu'il devrait pas. Voilà, déjà. On va commencer. Hop. Ma commande de matos. Ça fait un mal. Ah oui, ça c'est cool. Le port HDMI est HS. Sur celle-ci. Et normalement, si je fais... Ah, voilà. Merde. Webcam, elle est où? La compte, c'est mort. Excusez-moi, hein, vraiment, habituellement, j'essaye de faire ça avant, mais là, bizarrement, ça n'a pas voulu. Voilà! C'est ma nouvelle, mon nouvel overlay... du futur que j'ai fait. Merde, c'est pas ça que... Oh là là. Tac. Et tac. Et tac. Et tac. Parce que lui, il me vénère. Lui, je pense que c'est une option qu'il faut que je configure. Donc ouais, HDMI de cassé, on va essayer de le réparer. Et donc du coup, vous avez vu mon nouvel overlay ou pas? Ça, c'est full 3D. Ça, c'est fait sur Blender, ça. Avec la petite... J'espère que vous avez la référence de la voiture en haut à droite, si vous la voyez bien. Au-dessus de la télé. Alors là, c'est un premier rendu. Je compte faire un peu de... une ambiance avec de la poussière un peu mouvante, histoire que ça soit pas juste statique et qu'on croit pas que ce soit une photo. Et au début, je l'avais même fait encore différemment. Je l'avais fait avec la lumière qui se balance. Mais sauf que le problème, c'est que la lumière qui se balance, bah, vous allez vomir. Arrive un moment, c'est chiant. Donc du coup, j'ai arrêté la lumière qui se balance. Ouais, pas hyper bonne. Du coup, là, c'est un MP4. Donc, ça se lit. Comment on allume une PS4? Ah, là. Yeah. Ploup. Alors, il te sort un MKV de base. Mais sauf que le MKV, il est pas lu par OBS. Donc, du coup, hop, là, on passe en HDMI. Et qui a dit la console? Il y a une belle lumière bleue là qui s'allume. J'ai pas la PS4, hein, je sais pas comment ça fonctionne hein, cette machine. Ah, ça bip. Pourquoi ça bip? Ah, ça passe en lumière blanche après.
Ah, ça dit nos signal, d'accord. Ça, c'est prévu, ouais. Là, elle est en blanc. Elle est en blanc, donc normalement, elle est censée s'allumer, on est d'accord, mais du coup, j'ai rien à l'image. D'où le problème. Et ouais, là, donc la lumière stroboscope, je vais le faire justement, un petit peu. C'est prévu. Mais tout à l'heure, j'ai lancé le rendu de la vidéo avec justement ma lumière stroboscope, enfin, tous les deux petites animations que je voulais, que j'ai commencé du moins. Sauf que les 7500 frames, ça se fait pas en 1 heure. Donc, du coup, je le lancerai cette nuit. Et puis... Ouais, il est sombre, je m'en rends compte là aussi. Mais en vrai, je vais essayer de le rendre un peu plus lumineux. Et au pire. Et on verra après par la suite. Ah, le bruit, ça signifie. Bah, normal. Alors, on va la rééteindre brutalement. Je suppose qu'en restant appuyé dessus, ça va s'éteindre un jour, non? Ah, mais l'HDMI, je peux le faire à l'air chaud. Bon, bah tant pis, on va être obligé de la débrancher. C'est quelqu'un qui l'avait depuis longtemps et elle a beaucoup servi, d'après ce que j'ai compris, et elle a lâché il y a peu. Et visiblement, les HDMI sont hyper fragiles hein, sur ces consoles. Hein. C'est quand même un truc de ouf. Hop, j'ai juste re-setup vite fait mon écran. Histoire de. Hop, voilà. Comme ceci, comme ceci. Et en plus sur le côté, mais il va pas venir. Pardon, je sors de table, hein, je suis désolé. Et tac. Et tac. Voilà. Ok, je vois que l'humour est présent. Vous êtes bien reposé visiblement ce week-end. C'est cool. Donc, on va l'ouvrir. On va enlever. Non, l'humour ça me dérange pas. Tant que c'est pas graveleux et que c'est pas méchant envers les autres, ça me va. Qu'est-ce que j'allais dire? On va enlever le port HDMI sans casser la console. Et si on y arrive, je commanderai un port HDMI et puis on le changera. Surtout qu'un port HDMI de PS4, ça coûte que dalle. Mais du coup, comment qu'on va regarder du tutoriel ce soir? Je vous l'annonce. Attention au démontage. Très bien. Donc on va regarder du tutoriel et en plus vous allez m'assister. Parce que sinon ça va être l'enfer. Pourquoi mon retour il est encore bloqué sur un Scratch. Allez, on va regarder un petit peu sur internet histoire de pas de faire de bêtises. Et un pote qui me dit sur Instagram, je te l'achète si tu la répares. C'est pas la mienne. Ok, d'accord. Ouais, il me semble que pour le disque dur c'est assez faisable parce qu'à chaque fois qu'on regarde les consoles en vente sur internet, les mecs ils ont tous enlevé le disque dur, hein, donc ça doit bien se faire. On va quand même regarder sur internet, on va pas faire de bêtises. Edmund PS4, le P c'est mieux. PS4. How to open disassembly PS4. Ah, mais attendez, il n'y a pas un. Ouais. Il n'y a pas un iFixit, voilà. Moi, c'est une quoi? CUH 1116. Bon, bah, 1120, c'est pareil. Ah, bah, après, de toute façon, je piocherai dans mes tournevis et on verra bien. Alors, la protection des disques durs s'enlève de la même manière que les précédents modèles. Bah, ouais, mais faut le dire. Dites-le nous. Ça doit se coulisser visiblement. Ça se coulisse. C'est poussiéreux. Ah, elle est trop stylée. Vous avez vu le. Là, j'avoue, je reconnais que c'est stylé. Bah, normalement, non, c'est les musiques de.
Mindhunter. Je connais pas cette série. Regardez la petite vis là. Elle est pas juste méga stylée? Elle est beaucoup trop stylée, non? Moi j'adore. Moi je veux être dedans. Moi je veux cette vis. Moi je veux juste la vis. Je pense que je vais remonter la console et je vais lui remettre une autre vis et je vais la garder celle-là. En souvenir. Ah, ça envoie des vidéos YouTube. Si je l'ouvre. En collier ou pins, grave. Yes! Parle plus fort. Hop, on coupe le son directement. Et. Ah, lui, carrément. Ok. Bah écoute, je vais garder ça dans un nouvel onglet. Voilà. Tac. Ah bah écoute, oublie pas de me le dire, parce que je peux l'oublier moi, et je te fais ta photo avec grand plaisir. Donc là on enlève le cache pour elle, disque dur, donc c'est la seule vis qui s'enlève facilement. Mais en plus de ça, elle est hyper bien faite cette vis. Franchement, cette vis, c'est le futur, elle devrait être toute faite comme ça. Oula, elle s'est surexposée. Hop, on réduit un petit peu, c'est toujours fluide quand je me mouvoie. Le focus. 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 Bon, on verra plus tard pour focus. Bref, la vis est tellement bien faite que t'as un gros cruciforme. Et même dedans, t'as encore un plus petit cruciforme. Si t'as un. Bah vas-y, crache partout, bonhomme. Si t'as un plus petit cruciforme. Donc. Que je dois faire. Ok. Je me mouvoie. Tu t'en vas? Tu te sauves? Torx, Torx, où est-ce que je vais avoir ça? Je réflexionne. Va prendre Z tournevis. Ça sauve des vis. Hein. Je vous le dis. Ah oui, non, mais faut pas faire attention à mon français. Hein. Vraiment pas. Donc déjà on peut enlever le hard drive, c'est une 500 gigs avec un disque dur en 500 5400 tours. Ah non, il y a un petit trou au milieu. Il faut un trou au milieu. Ah! Ça va être chiant par contre. Est-ce que je vais avoir ça? Ça va être chiant. Je vous le dis. Après, je pense que c'est que les vis à l'extérieur, non? Je me meux. Excellent. Moi, je valide. J'aime bien. Si c'est ça la conjugaison. Bon, on va faire sans le bon tournevis. Et on va dire que ça fera l'affaire en espérant qu'il n'y en ait pas. Il n'y ait pas de vis trop récalcitrante, genre comme celle-ci. Ok, là j'ai la bonne taille. Bon, du coup, en parlant de PS4, est-ce qu'il y en a qui ont essayé Death Stranding pour ceux qui ont la PS4? Oula, vis là. Rivien. Là, j'avais une petite pince, fut un temps. Je vais enlever. Bah yes. Génial. Ah. Donc du coup vous êtes un petit peu hypé quand même pour la plupart. Bah je vois ce qu'il y a de joke, c'est que tu vas le faire un jour, mais pas tout de suite.
Aruma, tu veux une PS4? Je suppose que c'est pour le jeu aussi. C'est une des raisons. En vrai, pour avoir joué, j'ai regardé beaucoup de streams. J'ai regardé beaucoup de streams sur Death Stranding. Et en vrai, c'est beau à regarder, ça a l'air beau à faire, mais après, je sais pas si j'aurai la patience de faire ce type de jeu. Donc à voir. Ouais, Overwatch 2, j'ai pas trop regardé, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux modes, mais c'est tout ce que j'ai vu. Un nouveau moteur, peut-être, je crois. Ah, ça vous a pas hypé, il y en a certains. Ok, vas-y, il y a tout, faut tout. Putain, l'enfer, ces vis. Putain. Et en plus, je range mais n'importe comment mes affaires en ce moment. Ça ne va pas du tout. Pourquoi je mets pas? Alors avant, j'avais une pince. Et elle est partie. Hop. J'ai la place de l'enlever comme ça à la pince. Tant pis. Ouais, je crois que c'est vachement Death Stranding, faut être fond dans le truc. J'espère qu'après c'est que du cruciforme. Je pense que ça va être pas si mal que ça. Overwatch 2, je pense. Je pense que ça peut être bien. Ça va rajouter un nouveau. Après, il y en a plein qui disent que du coup, ça serait plus un. C'est pas un Overwatch 2, mais plus un. Mais plus un nouveau. Enfin. Une V2, quoi. Enfin, pas vraiment une suite. Je sais pas si je me fais comprendre correctement. Bon, bref, ça, on enlève. On enlève les visas. Ah, ensuite. Putain, il y aura encore des torques derrière. Ça se remplace le GPU? Ouais. Bah du coup les tournevis, je pense que je vais les commander pour le remontage. Ne serait-ce que pour le remontage, parce que sinon ça va être chiant. Ah, visiblement, ça a déjà été enlevé, bah alors. Oh, ça a déjà essayé d'être dévissé même. Bravo la France. Ça, c'est les autocollants de garantie. Hop, et encore un autre ici. On va essayer de les garder sans les perdre. Overwatch 0.5. Ouais, c'est ça, c'est plus un gros add-on. Et oui, pardon, le GPU de la PS4, ça se change, hein, ça se rebille, je pense. Donc oui, ça doit se faire, mais... C'est même pas ça se change, c'est ça se rebille. En occasion d'une PS4. De base de jeu. Je pense que pour 100 balles, une PS4, ça se trouve. Alors après, malheureusement, le gros souci, c'est que les PS4, si t'as pas la Pro, donc la plus performante, c'est compliqué sur certains jeux. Ah, pour rebiller, ouais, faut du matos, hein. Ça se fait pas comme ça. Faut et du matos, c'est de la bonne compétence, hein. Ok, ça s'est démonté. Ah, et ils font bien de me le dire, monsieur. J'allais en oublier une de vis. Alors ensuite c'est quoi qu'ils enlèvent eux?
Ça fait drôle de bruit. Hein. C'est peut-être pas fait pour être secoué aussi, une console. Comment qu'il enlève? Donc c'est de ce côté-là. Comment qu'ils font? Soulever. D'accord. Alors attention, faut lever l'arrière doucement. Non, l'avant, je suis con. Mais doucement. Ah, ça sent le vécu, ça. Ok. Heureusement que t'es là à m'aider, à me surveiller. Comment que c'est fichu cette histoire? Dites-moi en plus. Et comme t'as un coin là, en fait, c'est assez problématique. Je vais la retourner pour avoir. Ah la vache, et ça vient pas, hein. Ah, attendez, j'ai peut-être un truc. Une technique. Peut-être que elle va venir. Bah, le problème, c'est que là, c'est un angle. Là, je suis dans l'angle. Voilà. Là, c'est venu. Et après, ils disent pousser. Pousser, madame. Yes. Voilà, c'est venu. On est content. Alors, effectivement, ça vient pas comme ça. Hein. Yes, encore des vis Torx partout. Bon, normalement, après, comment qu'on fait? Maintenant, je l'ai enlevé, ça. Ah, il veut que j'enlève en dessous? Non, tu veux j'enlève en dessous? Enlever le couvercle inférieur. Ah non, c'est chiant. Tirer très fort de chaque côté du couvercle à l'arrière de la console. Ok. Alors, déjà, les mecs de Hifixit qui te disent... faut forcer en dessous et après tu auras besoin d'un levier pour le faire. C'est jamais bon signe. Hein. Ah bah ils sont pas doués en fait. Ça se fait bien. C'est un peu poussiéreux mais en vrai ça va. En vrai ça va. Bon déjà on a tout. Alors ce qui est cool avec cette console c'est que tu as tout l'extérieur en trois morceaux. Donc au moins là c'est tranquille. Je peux le poser dans un coin et ça me gênera plus. Ça me gênera plus et je l'abîmerai pas. Sacrée ventilation moi. Hein. On a un sacré machin là. Oh, c'est un peu saccadé là. J'aime pas trop ça. Ok. Normalement, si je fais tac. Donc, ça, c'est l'écran. Là. ISO auto. Bah non, mais c'est chiant. Je veux pas le mettre en auto. Bon, tant pis. C'est un peu plus foncé. Pied de bus. Plus bas. Yes, le meilleur moment. Remarquez les boutons. Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont les boutons? Bah moi ils sont pas là. Ah, il parle. C'est pas vraiment pas la même version qu'il a par rapport à la mienne. Et donc après. Il demande d'enlever les vis. Ah la vache! Ouais, les. Si, si, c'est t'as raison, c'est des. C'est des boutons tactiles.
Putain, mais pourquoi ils mettent des vis à la con, c'est con là. J'en ai du Philips, mais c'est cher. Tu répares que de la console récente? Non, justement, habituellement, je fais pas de la console récente. Mais là, comme j'en ai une, bah, je me lance. Mais sinon, habituellement, je fais pas ça. T'as un kit à FX, c'est vachement bien. Bah, dis donc, il y en a qui sont chanceux. Le petit tournevis Xiaomi est pas mal. Lequel, le tournevis électrique? Putain, mais les trucs de bourrin que j'ai aussi, moi, là. Relou. Normalement, j'avais un kit avec. Enfin, j'avais une petite boîte avec plein de doubles dedans et. Super, c'est cool. Mais... Quelle idée de ranger les trucs aussi. Sur les côtés pour la lime. Ah ouais? À ce point-là? C'est chaud. C'est chaud de ouf. Putain, moi qui pensais que ça allait être facile à démonter, au final, je vais me faire chier. Alors, je me demande vraiment où est-ce que j'ai bien pu foutre ce truc. Parce que là, j'avoue que ça me serait bien utile. Et c'est bien le seul moment où ça me serait utile. Et bah, tant pis. Je vais me battre, et puis c'est tout. Bon, allez, on continue. Fin du live, pas de tournevis. Non, mais grave, ça pourrait tellement finir comme ça, mais non. On va se battre. Ah bah ça, tu fais bien d'en parler parce que moi j'ai bien envie d'en acheter. Tout le monde en a acheté sauf moi. Il faut vraiment que j'en achète. Je vais en commander sur Amazon ou un truc comme ça. Ah bah avec un tournevis plat, ça va bien. Oh, ça va même méga bien. Genre tournevis plat, c'est le feu. Oula, attendez, celle-ci, je vais la remettre. Pas que ça, il y a d'autres vis. Alors on ne force pas. Tu m'as demandé ce que j'allais faire. Brûler des enfants. Parce que déjà, je savais même pas que ça s'achetait en pharmacie. Moi, ça, j'allais l'acheter sur Amazon, le bidon. Et ça s'achète en pharmacie, c'est bon à savoir. Quand je vois les émotes que t'as envoyé, Mr. Fruity, je me dis qu'il faut vraiment que je refasse les miens. Enfin, le mien. Il est vraiment moche. Alors, maintenant que toi, t'es un peu désolidarisé, tu vas être cool avec moi. Tu vas venir de toi-même, sans trop faire chier et tout. En mode, je suis sympa. Non. Non, tu veux pas? Non, parce que vraiment, ça aurait été cool. Hein.
Vaut mieux porter les gants et pas trop respirer. Ah, c'est de la poussière. D'accord. T'as les broches à lime sur la CM, sa force c'est pour ça. Ah d'accord, c'est pour ça, les fameuses broches. Ok, bien joué, bien vu. Putain, ouais. Ah oui, il n'y a que deux broches en plus, hein. C'est vraiment de la... Oh, c'est de la lime de PS2, ouais. C'est tout petit. Comment on va faire? On enlève, bon allez, on va enlever celle d'en bas. Non, très mauvaise idée en fait, on va enlever celle de la lime, parce qu'en vrai la lime ça se remplace. Mais une carte mère ça se remplace un peu plus difficilement. Bon ça c'est venu, donc effectivement il y avait les deux petites broches juste ici. De la poussière un peu partout. D'ailleurs je suis tâté de m'acheter... Je suis tenté de m'acheter... Bugan c'est le génie. Je suis tenté de m'acheter un... Comment ça s'appelle? Un compresseur 12 volts pour ne serait-ce que souffler les trucs dans mon garage avec ma voiture. Retirer le connecteur de l'alimentation. Ah, les mecs, ils y vont à la pince. Bon, bah, ça va, calmez-vous, c'est un fil. Mais qu'abuse, quoi. Déconnecter l'antenne Wi-Fi. Ah, ça, je valide. Ça, je valide. On prend pas la pince, cette fois-ci. Si eux, ils prennent la pince. Hop. Toujours, tiens. Tac. Hop, l'antenne Wi-Fi elle est dégagée. Certains des... Sors là, monseigneur. Ah ouais, grave. Pour enlever le petit fil à la con. Alors, qu'est-ce qu'il me dit d'autre d'enlever? On enlève l'antenne Wi-Fi. La nappe du lecteur. Alors attends, comment elles marchent ces nappes? Elles sont bizarres. Oh là, j'ai pas les mêmes. Elles sont bizarres leurs nappes là. Ah, oh, c'est chelou. Faut appuyer dessus. Et salut The Rolf, comment il va? Ça s'enlève. Ça aussi. Ça va où ça? Ça s'enlève. Ça s'enlève. Ça, normalement, il n'y a pas besoin de pince à arrêter les mecs. Hop. Bon, ça, je l'ai totalement enlevé au final. Je hais les nappes. Moi aussi. En plus, bon, là, elles sont vraiment bizarres. Et elles sont vachement rigides. Donc, en vrai, ça va, ça. Celle-ci, ça va. Bon, on va l'enlever aussi ici. Hop. Je vais peut-être le regretter plus tard, mais bon, tant pis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a une nappe toute fine qui va je ne sais où. N'empêche, ce radiateur pour refroidir, c'est ouf. Et salut, Bumblebee. Bah écoute, il va bien et toi? Bah attends, je t'ai déjà dit en fait, comment tu vas? Mais il va bien et toi? Donc, oui, je vais bien. Alors... Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai un sale reflet en plus. Donc là, on va enlever le lecteur optique, qu'ils disent. Ah bon, on n'est pas fait pareil, monsieur. On est presque fait pareil, mais pas pareil. Ventilateur fait un bruit de fou. Ça fait un bruit de fou, ça, de base? Ou c'est chez moi que ça fait un bruit de fou? Faut me dire. Us.
Vous connaissez ça ou pas? Plup, plup. Stylé ou pas? Ah, de ta PS4. Ah, un petit coup de dépoussiérage, un changement de pâte thermique. Bon, coup de dépoussiérage, déjà, ça fait le taf. Et changement de pâte thermique, si tu te sens chaud de tout démonter. Bon, j'enlève toutes les vis apparentes. On verra après. Oh, ouais, non, mais grave. Le mec est en train de chercher ses vis avec ça. On enlève ça. Ah, j'ai cru voir un follow. Et merci Tino, Tino IRL pour ton follow. Bienvenue à toi. Cette carte me dit vaguement quelque chose. Putain, il y en a des vis sur ce lecteur optique là. Oh, c'est bien ça, ce lecteur optique. Ça. Ah, ok. Putain, mais il y en a plein. Arrêtez, 5 minutes. Là, tu démontes le lecteur, pas l'ensemble. Ouais, mais je sais pas quoi enlever. Moi, je veux pas l'ouvrir, moi j'aimerais que tout vienne. Ah, là ça vient. Là c'est tout ou pas? Là c'est tout. Pire, je remettrai les vis. Yes. Je remettrai les vis qui vont bien. Je vous avoue, le lecteur optique, si je peux ne pas l'ouvrir, ça m'arrange fortement. Tellement fragile, ces bébêtes, tout ce qui est optique, franchement. Ok, donc ça vient déjà, c'est un peu chiant. Vous voyez ma grosse tête, hein, je suis navré. Ah, il y a une vis sous cette carte. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Merci Sony d'avoir caché cette vis. C'est fair play de votre part. Hop, tac. Que sur ma PS4, j'ai mon disque dur. Oh, et je peux pas enlever. J'ai un truc spécial. Ah bon? C'est bizarre. Qui est mort sur mon ancienne PS4, j'ai tout racheté pour le faire. Est-ce que c'est dur à ressouder? Bah écoute. On va le savoir ensemble si c'est dur ou pas. Mais faut un peu de matos quoi. Je pense que. Enfin, un peu de matos. Faut un fer à souder plutôt costaud et puis c'est tout quoi. Je pense que c'est de. Enfin, à air chaud du moins. Hop! Donc ça c'est venu. Donc, si ça c'est venu, on va peut-être lui remettre quelques vis. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est quoi ça? Waouh! On a tout le système. On va pas trop y toucher parce que si je le dérègle, bah je suis baisé. Et comme j'aime pas être baisé, on va rien toucher. Ça allait comment ça? Ah, d'accord, comme ça. On va remettre les petites vis. Et salut Shirkan. Il me semble que Bullien, t'avais eu quelques soucis toi. Enfin, t'avais acheté une PS4 avec quelques petits problèmes à gauche à droite.
Et que t'avais réglé sans trop de soucis. Et salut mes orcs. Mes orcs? Yes, c'est ça. Ton disque dur reconnaît plus les jeux. C'est étrange ça. T'as essayé de reformater, réinstaller? Elle est pas à moi. Et la personne qui l'a, je la connais même pas moi-même. Pour te dire à quel point je sais pas à qui elle est. Et la vis qui était là, elle traversait le tout pour remonter là. Ok. J'oublie rien. Tac. Très bien. Donc le lecteur, on va le mettre sur le côté. Donc c'est cool. Évidemment, le lecteur, ça s'ouvre assez facilement. C'est cool. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? J'ai envie d'enlever ça là. J'ai envie d'accéder à la grosse machine. Waouh! Je viens de voir le schéma avec toutes les vis enlevées, autant vous dire. Bon, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. On est reparti. On va pouvoir parler un petit peu. Bon, démonter une PS4, ça se fait pas comme ça. Hein. Visiblement, faut être chaud du bulbe. Hein. Faut être déterminé. D'ailleurs, sur un dernier, une NES avec Mario Bros. Une Play 1 avec motorisé serveuse. Ah bah franchement propre, hein. 70 euros, tu t'es bien régalé, hein. On va pas se mentir, là t'es pas mal du tout, hein. En vrai, hein. Ça, tout fonctionne ou il y a des trucs à faire? Avec 15 minutes pour la démonter. Ouais, mais attends, il y a trop de vis. T'as un tournevis électrique, c'est pas possible. Non, en vrai, je pense que oui, ça se fait relativement bien, une fois que tu le sais, mais première fois est toujours plus chaotique. Ah, donc ça, on est obligé de l'enlever, et je suppose que c'est ce qui tient le radiateur de l'autre côté, et que ça va tomber dans 2 minutes. Ok. Fonctionne impec. Ah bah nickel. Bah c'est propre. C'est un bon plan. Rien que pour ça, c'est un bon plan. Ah là j'ai une vis qui est de l'autre côté. C'est malin ça. Super les mecs. On met tout d'un côté, sauf une vis. Comme ça le bon gros bolos que je suis force et casse tout. Merci. Alors, un écran gris avec son qui fonctionne chez lui. Ah, t'as pas un problème d'écran? Waouh. Ok, donc on fait gaffe, on a les petits patins qui sont ici. On va essayer de ne pas les perdre, parce que c'est chiant quand on les perd, ces trucs-là. Hop, on pose ça ici. Ok. Ok. C'est tout? Ça s'enlève ça après? Comment ça marche? Je me vois pas trop tirer sur la carte mère, elle a un bourrin. C'est joli les couleurs en tout cas, moi j'aime beaucoup le doré et tout là, c'est sympa. On a une prise, mais je sais même pas s'il faut l'enlever. J'allais dire là c'est humide, mais non, c'est plus du flux qu'autre chose. Est-ce qu'on a d'autres vis? On n'a pas d'autres vis. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On reste là. On rentre à la maison.
Hein, c'est fait comme ça. Je regarde tout autour si j'ai pas des trucs qui me surprennent. Je regarde ce qu'ils disent d'autre. Donc à ce niveau-là, ils sont déjà en train d'enlever la carte mère en fait. Là normalement ça va venir. Ok. Dites-moi plus, vous m'intéressez? Yes, aïe. Eh ben alors, elle est-il pas jolie cette carte mère? Et bon, c'est pas compliqué en fait. Donc on fait gaffe, on a encore des petits patins un peu partout par ici. Bon ça va, j'en ai en rab normalement, mais j'aurais peut-être pas des patins d'aussi bonne qualité que ceux de chez Sony. Donc, aïe, aïe. Oh, d'accord, je vois quelque chose que je vais vous montrer. Ok, il y a peut-être moyen de faire un truc là, hein, avec le port HDMI, je vous assure. Je vais vous montrer ce qui se passe. On a une très très belle vue de ce qui se passe. Sur le live, on peut perdre la vue. On ne peut pas perdre la vue à travers un écran, parce que si ton écran peut te faire perdre la vue, t'es chaud quand même. Hein. C'est chaud de ouf. Donc, on a notre carte mère qui est là, qui est fort sympathique. Elle est jolie. Elle est jolie ou elle est pas jolie? Avec son petit processeur. Très très beau. Moi, j'acquiesce. Donc, c'est bien, j'ai plus de patins en dessous, donc ça, c'est cool. Mais. Si on zoome un poquito, donc là on a un super processeur, mais ce qui nous intéresse le plus, nous, c'est le port HDMI. Et regardez ça, regardez qui a essayé de se faire la malle. J'ai ma broche de tout à l'heure, peut-être un peu plus de lumière. Attendez. Hop. Si tu peux éviter de trembler, s'il te plaît. Je te remercie. On a une broche qui s'est arrachée. Qui s'est poussée en fait, surtout. Alors est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? J'en sais rien. Ah bah putain, si! Si, 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 je peux peut-être faire quelque chose là. Oula, va falloir. Oula, attention. Oula. Là, on va être sur la chirurgie, les enfants. Que là, ça se trouve, je n'ai qu'à le repousser. Tu remets doucement la broche. Et que tu colles, tu peux. Ouais, mais attends, la recoller, ça va être tendax, hein. C'est fin dedans. Je peux pas la. Si je mets de la colle, j'en mets partout. C'est mort. C'est mort de ouf. Ah, l'arrière! Ah, smart! Ça, c'est méga smart que ce que tu me proposes actuellement. Ok, on va tenter une réparation. Cold shot, je peux avoir ça. Ok, là, je me concentre un petit peu. On va boire un petit coup un petit peu avant. Ouais, pas con, la cold shot, je valide. Hein. En fait, le truc, c'est que comment est fait le port HDMI? On a une plaque, on a un morceau de plastique au milieu, donc comme ceci, et on a des broches qui viennent se poser. Donc ça, c'est mes broches. Paf, on a quatre broches juste ici. Et en fait, il y en a une. Ce qu'elle a fait, c'est, elle s'est pliée. En fait, elle est juste comme ça. Elle s'est pliée et derrière, elle est pliée en fait.
Et donc, du coup, là, t'es un peu baisé. Donc, bon. Donc, on va essayer de régler ça. Et non, en plus, du coup, Bumblebee, tu peux pas te brûler parce que c'est aussi le même problème que t'as avec les soudures à l'arc. Tu sais, t'as cette espèce de lumière bleue qui sort et qui agresse les yeux et qui peut te rendre aveugle, etc. Et si tu regardes bien dans les films, dans les vidéos, dans tout ce que tu veux, les mecs filment ça sans souci. Et il te le montre toi, et personne ne s'est jamais plaint, donc je pense que c'est pareil. En fait, ton écran ne peut pas te rendre aveugle, en fait. L'écran que tu as en face de toi ne peut pas te rendre aveugle, donc bon. Tu peux nous montrer ça en macro? Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça en macro? Donc là, on a notre petit connecteur qui dépasse, on va essayer. Ok, j'ai réussi à le remettre en place. Maintenant, on va tester un truc quand même. C'est si je branche mon HDMI, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il s'en va? Est-ce qu'il est toujours présent? Est-ce que c'est la fête à la maison? Là, en plus, de l'autre côté, il s'est pas tordu. Hein. Il est vraiment... Quoi? Non, non, oula! Stop et tout. Colle avant. Mais non, mais j'aimerais bien le pousser un tout petit peu, tu vois. Comme ça, au pire, il se ressort, je verrai, tu vois. Je vais regarder. Je vais quand même essayer. On verra bien. J'y vais doucement. Ça bouge pas. Ça bouge pas en fait. Mauvaise idée. Ça bouge pas du tout. Ça a très bien fonctionné. Mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Là, en branchant, débranchant, ça a marché. Mais oui, je vais coller. Bien sûr, je vais coller. Parce que du coup, je me dis que... Juste, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'en collant... est-ce que je vais pas me retrouver niqué si demain, ça relâche? Tu vois ce que je veux dire? Quoique non, si ça relâche, je l'enlèverai. En vrai, ça va, ça s'enlève. Ouais, j'ai de la pâte thermique, ouais. Colle sur 3DS. Arrête avec les 3DS. J'en ai marre. Je ne peux plus. Ouais, non, je vais coller. Je vais coller. En vrai, ce qui est chiant, c'est que je vais même pas pouvoir y jouer. J'ai même pas la manette. Il m'a donné que la console. Trop triste. Bon, installer la colle. Attends, porte pas la poisse parce que je l'ai pas remonté encore. Tant que je l'ai pas remonté, je peux pas te dire si elle est fonctionnelle ce soir. Moi, je vous le dis. Vous savez très bien que les trucs de dernière minute, ça arrive très souvent. La fréquence de la lumière. Ouais, sûrement. Je saurais pas te dire ça pour ça. Tiens, d'ailleurs, en faisant des rendus 3D sur Blender, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que mon PC, en rendu, il est monté jusqu'à 100 degrés. Mon PC fixe, sur lequel je stream et tout, il est monté à 100 degrés. La limite c'est 95 constructeurs. Déjà, je comprends même pas qu'il se soit pas mis en sécurité avant. Ça, j'ai pas trop compris pourquoi. Et je trouve ça un peu dommage. Alors, attendez, j'ai un petit problème. Là, on va refresh un petit peu. Voilà. J'aimerais bien voir mon retour. Donc, assez problématique. Quand tu fais ton rendu toute une nuit, que t'es pas là pour surveiller,
C'est un peu chiant. Mais non, mais mon. J'ai un water cooling déjà. C'est ça le problème. J'ai déjà un water cooling. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que. C'est que j'ai tout simplement changé ma pâte thermique, parce que c'est la pâte thermique d'origine que j'avais. Là, c'est de la colle en pistolet, hein. C'est la pâte thermique d'origine que j'avais, du water cooling, sachant que j'ai un Ryzen 7. AMD, c'est quand même assez réputé pour chauffer. Donc, pâte thermique d'origine, et qu'est-ce que j'avais d'autre? C'est quoi cette prise? Ah, d'accord, c'est Internet. Pâte thermique d'origine. Et j'avais qu'un ventilo sur le truc. Et comme c'était dimanche, je me suis dit, j'ai été à Easy Cash et j'ai acheté un Noctua d'occasion qu'ils avaient, qui au final qui n'avait jamais été monté. Donc c'est cool. Et je l'ai payé 6 euros. Et pour vous donner son âge, j'avais un adaptateur Molex dedans. Que j'ai utilisé. Que j'ai utilisé. On va mettre un peu de colle. Tout du long. Hop, voilà, comme ça on a rempli le fond. Ouais, non, c'est pas beau, hein. C'est pas beau, je suis d'accord. Ah putain, c'est bon ça. Ça, c'est bon à savoir. Parce que Noctua, j'avoue. Par contre, le truc est du coup est branché en Molex, donc juste plus moins. Donc ça veut dire qu'il n'est pas variable et il tourne tout le temps à fond le ventilo. Mais putain, le silence, c'est ouf, hein. Vraiment, j'avoue que Noctua, pour le coup, ils sont moches. Je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai pas pris. Parce que je trouvais ça moche et que ma tour, elle était belle. Et du coup, ça me faisait chier. Sinon, j'aurais pris clairement un Noctua. Et franchement, niveau silence, on est sur quelque chose de costaud, quoi. Et du coup, j'étais à 100 degrés en rendu, et là, je suis passé à comment ça s'appelle, à 75. Donc, c'était pas mal. En changeant la pâte thermique par une pâte thermique qui a 9 ans d'âge, autant vous dire que normalement c'est pas comme le vin. On évite de les prendre plus vieilles. Mais en vrai, ça fait très bien le taf et j'en suis très content pour le coup. Donc c'est cool. Bon, normalement, ça, à clean, faut. C'est du Skrillex qui passe là? Parce que j'entends pas de ouf moi, j'entends ça très très bas. Donc la pâte thermique chez les constructeurs, comme d'habitude, ils en mettent toujours un pâté. Pourquoi on ne sait pas. Mais c'est un pâté. Ouais, sinon oui, par contre, si on regarde pas la couleur, c'est très bon ventilo, je suis d'accord. Le monitoring de la température de l'eau. Non. C'est un NZXT Kraken en 120. C'est le plus petit. Quoi qu'ils l'ont peut-être fait en 80.
Donc là, le but, c'est que ce soit propre et qu'il n'y ait pas de dépôt et pas trop de poussière pour éviter, pour qu'il y ait que ce soit bien. Que la température soit bien. Soit bien. Transférée. Ouais, ça passe. Mais comme j'ai une petite tour déjà aussi, ça aide pas, hein. Mon refroidissement, il est pas optimal, hein. J'ai une petite tour, hein. C'est pas une grosse tour. Je l'ai en 120, donc 120 avec un seul ventilo, donc je crois que c'est le 52, truc comme ça. Je sais plus. Honnêtement, je saurais plus te dire. J'ai même pas le carton à côté de moi en plus. Ouais, 52, ouais. Bah du coup ouais, il est très très beau. Je suis content du résultat. C'est propre. C'est propre, c'est ce qui compte. Qu'est-ce que je voulais faire? Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les mon pinceau. Il faudrait qu'un jour je lave d'ailleurs, parce qu'il est dégueulasse. Et je vais mettre. Ah bah! Qu'est-ce que ça fait là, ça? Pourquoi je l'ai jeté? J'avais jeté mon chiffon que j'utilise tout le temps. Super. Peut-être dézoomer un peu en fait. Là, on n'a plus besoin de zoom. Est tellement poussiéreux ce truc. Là, je mets juste un petit coup de pinceau pour enlever les gros abats de poussière. Ça lui fera pas de mal à la console. Et bah à plus, merci d'être passé en tout cas. Dors bien. Hop, on va continuer à mettre les petits coups de dépoussiérage et on va tout remonter, hein.
Regarde pour un update. Ça s'update un firmware de Kraken? Je savais même pas. Tu m'apprends grave quelque chose. Wow, la mauvaise idée. Et salut Audrey, comment tu vas? Avril 2019. Ah bah faudrait que je vois. Ah mais attends, avril 2019? Oh bah c'était update, hein. Ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai le. Après, c'est pas dit que ma version que la version que j'ai soit ait été update à ce moment-là. Bah écoute, pour l'instant, la PS4, ça va. Je veux pas trop m'avancer, mais ça va. On est pas mal. On a de la chance. Ok. Bon, ouais, c'est étonnant quand même que la PS4, elle ait autant de problèmes de port HDMI, hein. Donc, je sais pas si c'est un défaut et qu'ils ont mis un port HDMI à la con ou si c'est les gens qui s'amusent à la prendre pour une console portable et à la trimballer partout et à la brancher, débrancher constamment. Pas de thermique. Un grain de riz. Oh, pardon. Vous n'avez pas vu. Le grain de riz sur la pâte thermique. Enfin, sur le processeur. Avec la pâte thermique. Tout ce qui est chiant, contrairement à un PC, ce genre enfin les consoles, c'est qu'on peut pas aller. Peut pas savoir la température. On est obligé de. Enfin, si, il me semble qu'il y a une manip qu'on peut faire pour voir la température. Mais j'avoue, j'ai pas trop envie de faire de manip.
Alors non, ça va pas comme ça. Ça va. Pas comme ça non plus. Comme ça. Comme ça, là on est bon, là on est bon, là on est bon. Là on est bon partout. On n'a plus qu'à poser. Peut-être un peu. Oui, là on est bon, là on est bon, là on est bon, là on est bon. On est bon partout. On est bon partout, on n'a plus qu'à remettre ceci. Alors moi ce que je fais souvent sur ces trucs-là, c'est que j'essaye de les... Hop, un tout petit peu. Merde, ça allait comment ça? Je crois que c'est logique. Comment ça allait? Il me manque pas un truc là? Bah oui, si, il me manque un truc. C'est très simple. Il me manque ça. La plaque de protection. Je n'ai point dépoussiéré également. Bon, aujourd'hui, à votre avis, qui est venu chez moi? Si je pose cette question, c'est pas anodin, c'est que vous pouvez y répondre. À votre avis, ça marche comment ça? Ça marche comme ça? Ça va marcher comme ça. Where is my vis? Il m'en manque une. Un membre de MO5. C'est un membre de MO5, effectivement. J'en dis pas plus, je fais exprès. C'est pas le prez. C'est ni le vice-président. Bon, branchez votre PC, il veut que je le branche. Je vais le brancher. Hop. Faudra tester sans le lecteur. Ah oui, pas con. Avant de tout remonter. Le monsieur qui t'a ramené à la fin. Non, c'est pas Richard. Vous avez déjà épuisé toutes vos ressources. Là, on sert bien. Hein. Eh, la pâte thermique, il faut savoir que la guérisse, comme ça, elle s'applique. Donc, du coup, en la plaquant, ça va bien s'étaler de manière homogène. Et en chauffant, ça va s'étaler encore plus. Et comme ça, au moins, ça sera vraiment étalé partout. Et comme ça, pas de problème. Je préférais le dire. Ça, c'est vrai. Du coup, vous n'avez pas d'autres idées? Je ne sais pas qui d'autre a pu venir chez moi aujourd'hui. Bon, on va essayer de tout remonter sans perdre une vis. Sans oublier une vis surtout.
Ah bah sur certains j'ai le truc au milieu qui est pété. Pas d'autres idées? Personne d'autre? Je peux vous donner des indices. C'est quelqu'un qui est membre de l'assaut, mais pas simple membre. C'est pas un membre classique, c'est plus qu'un membre. Enfin, c'est pas plus qu'un membre, mais c'est un membre plus plus. Il me semble d'ailleurs. Je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que oui. C'est pas. Il est pas. Non, il est pas salarié. C'est pas Z-sensei. Ça aurait pu être Z-sensei, mais c'était pas Z-sensei. Indice. Il a annoncé dimanche ou samedi, je sais plus, qu'il allait être papa. Si je dis ça, c'est quelqu'un que vous pouvez connaître. C'est pas quelqu'un de ma famille, c'est pas. Non, c'est pas moi, hein. Attention. Et oui, c'est bien trouvé. C'était Edouard qui était chez moi aujourd'hui. C'est bel et bien lui. The Edouard de YouTube. Et si, il est venu. Il est venu dans mon appart. Avec toute son équipe de tournage, ses acteurs. Salut Coultoine, à bientôt. Il est venu ouais, dans mon appart avec ses acteurs, son équipe de tournage. Et puis au calme, il a tourné une vidéo dans mon appart. C'est assez fou. C'est assez fou. Ouais, non, j'avoue, j'étais assez content. J'étais vraiment content. Pour le coup, c'était super cool d'assister à un tournage. Du coup, dans trois de ces prochaines vidéos, je serai de. Enfin, je serai pas dedans, mais vous verrez mon appart. Je vous le dirai. Je vous le dirai, comme ça vous pourrez découvrir. J'attends le test et après dodo pour moi. Ah, ok. Bon, faut que je me dépêche parce que là, il est quoi, 23h? Il y en a qui travaillent demain. On va se dépêcher. Et d'ailleurs, qui c'est qui m'avait demandé une photo de la carte mère? C'est trop tard maintenant là. Alors normalement, avec la qualité, tu pourras retrouver. Hein. En 1080p, je pense que tu dois pouvoir choper quelque chose. Mais je t'assure que normalement, avec la rediff, moi, je regarderai de mon côté, tu m'enverras une photo de où est ton compte, ton truc, et je pourrais essayer de le trouver. Hein. Normalement, j'ai fait des gros plans assez sur la carte mère, ça devrait se retrouver assez facilement. Donc, ouais, on a tourné cette vidéo. Je vais peut-être refaire le remontage à l'envers. Ok, ça j'avais pas, ça j'avais pas. Pas de thermique, ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon. Remets juste le. Ah, tu veux que je remette juste le bloc d'alim avant de tout remonter, c'est ça? Elle va pas me rentrer en. Ouais, en vrai, normalement, il n'y a pas de raison hein, que ça marche pas. Je peux essayer, mais moi, ça me fait. T'es sûr que ça va pas la foutre en erreur et elle va pas me dire. Elle va pas me claquer à la gueule? Parce que je lui ai juste remis l'alim et je lui ai pas mis le. Tout ce qu'il y avait d'autre. Ok. Bon, on va essayer alors.
Hop, un petit coup de dépoussiérage aussi à la lime, hein, parce que ça lui fait pas de mal à celle-ci aussi. Ok. Et déjà, si elle affiche l'écran noir, c'est qu'elle affiche quelque chose. Alors, on a ça à mettre. On est pas mal au niveau du bouton. Mais il était branché où le bouton? Il est où le bouton? Ah ok. Là je peux pas l'allumer. Je peux pas l'allumer parce que tout simplement, je vais vous montrer. Hop. Le bouton power, il est fait là-dessus. C'est ça qui fait le bouton power. Je dis pas de conneries. Ouais, je sais pas. Et non, j'ai pas de manette. Et oui, c'est le souci aussi que j'ai. En vrai, écoute, tant pis, je vais la remonter. Je vais la remonter comme ça. Hein, je vais la remonter et puis on va croiser les doigts pour que ce ne soit que le problème soit résolu. Ces deux vis là, ensuite on avait toutes les vis en dessous que j'ai remises, si je m'abuse. Alors moi j'ai tout remis là. Façon c'est assez simple, Sony, mettre des petites flèches là où tu dois remettre tes vis. Donc c'est cool. C'est cool. Là normalement j'ai une petite vis noire. Et après, on attaquait directement le lecteur optique. Alors, attendez, juste mettre un petit coup de pinceau sur la plupart des. Hop, des gros amas de poussière. Merci.
Et donc, du coup, pour en revenir à Edouard, il m'a dit que peut-être, potentiellement, il me recontacterait. Merde, ça va pas ça. Rentre dans le trou. Voilà. Il me recontacterait pour que je tourne dans une de ses vidéos. Alors après, c'est à prendre avec des grosses pincettes. Tu sais, pas sûr. C'est pas sûr à 100%. Mais en gros, c'est ce qu'il m'a dit. Du coup, j'avoue, je suis assez refait. Et en vrai, il y a du talent, hein, en vrai. Hein. Quand tu le vois tourner, tu sens que, il a l'habitude, que ce soit lui, sa copine et le cousin de sa copine. Franchement. Tu sens qu'ils ont l'habitude, ils arrivent à prendre les mimiques de quand t'es jeune et tout. C'est assez fort. Je respecte. Je respecte de ouf. Donc bon. En vrai, si je tombe dans une de ces vidéos, je suis refait de ouf. Ouais, je vais pas oublier. Ouais. Faut que je la remette après. Alors, on parle pas le russe ici. Navré. Navré, navré. Ou toute variante de l'Est. Ah, ça y est, ça parle français. Tu as l'air de t'amuser. Bah écoute, ouais, en vrai, ouais. De ouf. Normalement, j'ai une autre vis là. Pourquoi j'ai une vis là? C'était pourquoi ça? C'était pas une vis dans le vide? Ça serait étonnant. C'est quoi qu'ils veulent là? Pire, je l'enlèverai après. Quoique je me tâte à apprendre le mot. Ok. Il y a une vis dans le vide qui ne sert à rien. Sais pas à quoi sert. On verra plus tard. Qu'est-ce qu'on a qui traîne par là? Ah, mais si, mais attendez, j'ai fait n'importe quoi. Parce que j'ai ça à mettre. Donc forcément. Sur des streams, je parle russe. La plupart du temps, on me banne. Ah! Bah effectivement, alors après si en russe tu dis des saloperies qu'on connaît. En vrai, si tu parles russe, moi je sais pas ce que tu me dis, donc forcément, je vais pas te ban. Après, c'est sûr que tu te mets à spammer le chat en russe. Bon, peut-être que. Bon après, je suppose que. Si je vais dans Google Trad et que je prends ton truc que tu m'as parlé là, enfin le message en russe que tu m'as envoyé, je pense que je le décrypte assez facilement en français. Dit décrypte, carrément. Comment ça me fait rire? Bonjour, comment tu vas? Tu streams sur quel jeu? Ah! Ça va! Bah voilà, rien de bien méchant, donc il n'y a pas de raison de te ban. En soi, si tu commences à parler russe et que les gens ban, c'est assez violent, je trouve, quand même, comme réaction. C'est pour ça que je ne banne pas au premier dialecte non compris. Parce que sinon, ça va être. Ça va être assez compliqué pour les personnes, quoi. C'est un peu dommage. Bah ouais, c'est drôle, effectivement.
Bah ouais, tu traduis, on est d'accord. Enfin, si le mec il te dit juste bonjour, tu le bannes. Bon, bah écoute. T'as peut-être un problème avec la mère patrie, quoi. C'est un peu triste. Alors attendez, j'avais quoi comme nappe ici? J'en avais qu'une, hein. J'avais celle-ci. Je vais la mettre tout de suite. Hop, c'est pas mal comme nappe ça. Ça j'aime bien. J'aime bien ces nappes-là. Ça allait devant ou derrière? Ça allait derrière. Hop. Yes. Hop, on n'est pas trop mal. Ah ouais, non mais clairement. Non mais là c'est même plus une nappe en fait, c'est une prise. C'est ploup, ça va dedans et on n'en parle plus quoi. C'est 1000 fois trop bien. Tout simplement. Ah, du coup, ce week-end avec ma copine, on en a profité pour regarder comme des bêtes 1 et 2. Et bah, en vrai, c'est drôle. Moi, j'ai ri. Le dessin animé de DreamWorks. Je crois que c'est DreamWorks. Bon, en vrai, j'ai trouvé ça drôle. C'était vraiment drôle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, c'était directement l'alimentation. Ah non, il y avait 2-3 vis sur le côté. Je vais fumer mon tournevis plat à force de faire du torx. Ok, le lecteur Blu-ray, il est bon. Alors je l'ai trouvé où? C'est quelqu'un qui est venu me voir directement qui m'a dit: Oh, j'ai une pote qui a. Une ou un pote? J'ai un pote qui a sa PS4 qui ne s'allume plus. Et il m'a dit, est-ce que tu peux jeter un oeil? Je lui ai dit, bah, principalement, le problème, c'est le problème d'HDMI. Je lui ai dit, au début, je lui ai dit, franchement, on va regarder le prix sur Internet. Si ça coûte une cinquantaine d'euros, fais-le chez un réparateur. Et c'est le prix que ça coûte. Salut Nolan! Et c'est le prix que ça coûte une cinquantaine d'euros. Donc je lui ai dit, franchement, fais-le chez un réparateur. Et après, j'ai vu le prix de la pièce, qui coûtait 2,60 euros, un truc comme ça. Je lui dis, bah attends, écoute, en vrai, je vais regarder. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Tu vois, c'est 2,60 euros. Et après, au pire, il ira chez le réparateur. Et m'a dit, d'accord. Donc, du coup, c'est pas la mienne. Et Inch'Allah, si ça marche, je suis content. Et en vrai, attendez, j'ai oublié un truc. L'antenne Wi-Fi. C'est chiant de ne pas avoir la Wi-Fi. Là ou le. Hey. C'est le Wi-Fi, je crois. Il y a même un site qui s'appelle le ou la Wi-Fi.com.
la wifi c'est une drogue. Bah moi je dis la wifi aussi malheureusement, mais il paraît que c'est pas comme ça, c'est un nom masculin en fait. Ah bah super, j'ai remis une vis, hein, il fallait pour la remettre. Hop! Ça part en débat. Eh oui! Ça peut vite partir en débat, effectivement, mais en vrai, chacun le dit comme il veut. Moi, ça vient comme ça. C'est comme le ou la Game Boy. Techniquement, on devrait dire le Game Boy, mais c'est une console. Alors, on dit la Game Boy parce que c'est plus beau. J'en sais rien. Mais... Donc, du coup, chacun fait comme il veut. Moi, je m'en balèque. C'est pas moi qui viendra te faire chier pour te dire, mais mec, ça va pas la tête. T'as vu comment tu prononces ça? Tu mérites une claque. Non, c'est pas le Wi-Fi et le Dremel. Ah oui, donc toi, t'es allé encore plus loin. Moi, je dis une Dremel, hein, par contre. Peut-être me faire engueuler. Tant pis pour moi, je l'assume totalement. Est-ce que là, à votre avis, c'était des vis comme ça? Bah ouais. Bah attendez, j'ai mis trop de vis, là. Ils sont où les autres? Il m'en manque plein. J'ai pas de wifi donc pas de problème. Effectivement, vu comme ça marche. C'est un multi-outil rotatif. Ah oui, pardon. Bah oui, bah ça c'est le pain au chocolat, je suis d'accord. Mais... Ok. Là, on peut la tester normalement. Si je pose ça, je vais mettre un petit coup de pinceau avant. Et merci Nolan. Et salut Pipoufou. Pignoufou. Salut Pignoufou. Attendez, ça se branche comment? Ça va pas comme ça. Ça va clairement pas comme ça. Et je crois qu'il manque vraiment beaucoup de vis là. Ah, ou j'en ai peut-être mis en trop. Ah non, c'est juste des vis qu'on peut enlever plus tard en fait. Ok, c'est ça. Et merci pour ton follow, Nolan. Et merci pour ton follow, Eclatite TV. Bienvenue à vous. Welcome. Qu'est-ce qu'elle a cette PS4? Un problème de port HDMI qu'on a peut-être résolu. On ne vend pas la peau du bœuf avant de l'avoir mangée. Presque sûr que j'ai faux dans cette RT. Oula, oula, bah, je sais plus parler. Donc, tout simplement, on va arrêter de parler. Donc ça, normalement, comment c'est censé marcher? Ok, donc ça va là. De la donner à l'acheteur.
Alors, j'essaie juste de voir comment qu'on fait. Bon, au pire, tant pis, on va là. J'aurais bien aimé savoir, mais bon, tant pis. J'oublie rien de, à l'intérieur. Non, à l'intérieur, normalement, c'est bon, j'ai tout mis. Hop! On remet que ça. Le hard drive, vite fait. Un petit coup de pareil de dépoussiérage. Ouais, manger de la peau, à part de la peau de poulet bien cuite, je vois pas trop. C'est comment là-dessus? Ah oui, il y a le ventilo qui est à même ça. Donc là, de toute façon, tout ce qu'on veut, c'est tester, voir si, si on affiche quelque chose. Hop, on branche ça doucement parce qu'on fait attention. Excusez-moi, pardonnez-vous. Ensuite, on prend ceci que l'on va plug à l'arrière de la console. Ensuite, on va switcher sur une scène qui est waouh, my god, oh my god. So beautiful. Et eh ouais, elle est magnifique. Ah ouais, c'est pas parce que j'ai passé énormément d'heures à le faire. Bah non, parce qu'il est même pas au courant que c'est moi qui ai sa PS4. Enfin, si, il est au courant que c'est moi qui ai sa PS4, mais il sait même pas que je la répare actuellement. C'est honteux. Oh! Allez. Fais-moi rêver. C'est bleu. Oh mon Dieu! Look at that. One moment, please. Je sais pas si vous allez la voir vous. Ça serait cool que vous l'ayez vous. Vous n'avez pas l'air de l'avoir. Bah ouais, je sais. Je sais, vous voyez rien. Et je sais pas pourquoi. S'il me dit one moment, please. Elgato, franchement, bah c'est de la merde. Je vais pas vous mentir, moi je suis très déçu de Elgato. Peut-être que là. Super. Ça s'ouvre sur un écran mille fois trop loin. Appareil d'entrée, bah tiens, PlayStation 4. Voilà, 1080, là ça marche là. Non? T'as atteint correctement avant le débrancher le contrôle, sélectionner alimentation de la PS4. Ouais, ça se trouve, c'est ça. Non, le disque dur est dedans. En vrai, elle est contente, là, hein, la console. Hein. Là, ça y est, elle s'est allumée. Hein. This device is used by... Vas-y, mange tes morts, toi. Tu m'agaces. Elgato, super. Hein. Ça coûte un bras. Je vais passer chez Avermedia, c'est tout ce qui va se passer. Bande de collabos. Ah bah, attendez, regardez. Hop, voilà ce qu'on va faire. Schlag. Et voilà! Ça marche! C'est beau, hein? Il est beau, mon Elgato Mano? Voilà. Donc, elle fonctionne. Alors, j'ai pas de manette, j'ai rien. Je peux rien faire avec. Mais malheureusement, c'est tout ce que je vais pouvoir vous proposer. Ouais, Proprio, je pense qu'il va être content, effectivement. Donc, on va repasser en DIY. Et merci! Là, si on reste appuyé, normalement, elle s'éteint, non? Préparation de la mise hors tension de la PS4. Ne débranche pas le cordon d'alimentation si l'indicateur d'alimentation. Ah, bah, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure.
En vrai, c'est dommage que. Ça y est, c'est éteint. Elle clignote. Easy sur 20 la réparation. Bah, heureusement que t'as été là pour me guider à certains points quand même. Hein. Ça y est, c'est éteint. Yes! Bien joué la console. Tu t'es éteinte comme une grande. En vrai, c'est cool. En vrai, c'est cool. Par contre, le gars, je vais quand même lui dire, tu feras attention avec ton port HDMI. Il est plus fragile qu'un port HDMI 9. Donc, tu feras attention, bonhomme. Oh, bah, c'est nickel. C'est quand même cool de réparer des consoles qu'on ne connaît absolument pas. On ne sait pas comment elles doivent fonctionner. Je crois que le pire dans ce genre de truc, c'est genre de réparer les NES, SNES, etc. Quand tu sais pas que ces consoles, si elles lisent pas le jeu, elles s'allument pas en fait. Et ça, quand tu le sais pas, ou typiquement moi au tout début, bah du coup t'es là en mode bah yes, ta console elle est morte. Ah, c'est un e-load. Yellow Lead of Death. C'est ça? Elle fait une LED jaune? C'est simple en fait. Quand elle s'allume. Elle s'allume, puis au bout de 2-3 secondes, elle s'éteint complètement, même plus la LED rouge. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est comme un e-load, quoi. Et hop! La mort, c'est pas cool. Effectivement, la mort, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool, la mort. En vrai, le ventilo, il a l'air costaud. Hein. Ça a l'air d'être du bon matos, hein, quand même. Hein. Ça se sent. Moi, je m'y connais en ventilo. Ça se sent. Ça, c'est où? C'est l'avant ou l'arrière? Mais cucu, là, tes têtes. Perso, PS1, 2, 3, 4 et PS Vita, tout va bien. Bah t'as de la chance. En vrai c'est des consoles, si elles sont entretenues, ça bouge pas. Attends, wait a minute. You, my boy, where are you going? Ah yes. Alors, comment qu'on fait? Ah d'accord, très bien. Hop, ça se coulisse comme ceci. Tu pas avec le ventilo, tu vas le bourrer en électricité statique. Ouais. Ça, c'est un des trucs qu'il faudrait que j'investisse. C'est un tapis anti-statique avec ce qu'il faut pour. Avec ce qu'il faut pour ça, quoi. Oups là! La PSX, le lecteur, il a quand même quelques petits problèmes, hein, on va pas se mentir. On est pas mal là, hein. Là, on est bien là. La PS5, je sais vraiment pas ce que ça va donner. Après, moi, je suis pressé de la PS5 pour que je puisse m'acheter une PS4. Moi, je vois ça comme ça. Comme j'achète tout en décalé.
Ouais, sur les toutes premières générations, ouais, c'était assez le problème. Enfin, c'était le problème, du coup. Vous avez vu, comme je suis gentil, je fais même le ménage de la console. Bah, la PSP, si, elle a bien marché. En vrai, la PSP, si, je suis pas d'accord. La PSP, elle a bien marché. C'est pour ça qu'ils ont lancé la Vita. Par contre, la Vita, ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis vraiment un homme bon, putain. Elle est toute neuve, cette console-là. C'est pas possible. Ah oui, non, ça par contre, je suis d'accord. La pire idée, hein. Vraiment. Ah, attendez. Tiens, c'est marrant. J'ai une vis là. Ah oui, non. Derrière, il y avait. Ah bah non. Ah. J'ai une vis là. Ah, je peux mettre une là. Ah, par contre, faut que je réenlève le capot du dessus. Ok. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Ouais, la PS Vita. Et salut Ebza Michou. Ah putain, comment j'avais fait tout à l'heure? J'avais forcé un peu, elle était venue en tordant un peu. T'as pas revissé le DD? Si, si, je l'ai revissé. Ah bah attends, la Nintendo Switch Lite, on peut pas encore trop le dire si elle a bidé ou pas, elle vient de sortir. Moi, la PS Vita, c'est vraiment une console. Quand je l'ai vue sortir, je me suis dit, putain, c'est le futur. Ce capot, en vrai. C'est bien, les mecs, hein, ça fait compact, ça fait solide, mais pensez aux gars qui vont les démonter derrière aussi, un petit peu, c'est chiant. Voilà, si on n'a pas tout enlevé, c'est pas grave. Après la PS Vita, le problème c'est que quand elle est sortie, il y avait le marché du jeu mobile qui était en plein essor sur smartphone, et les gens n'ont pas trouvé, je pense, l'intérêt d'acheter une PS Vita. J'avoue que la Switch, putain, si elle n'était pas si chère. Je pense que je m'en serais pris une depuis, depuis très très longtemps. C'est clipsé là? Bah ouais, ça a l'air. Ok. Très bien, good. C'est qui a dit bonne nuit? Salut Nolan, merci à toi d'être passé. Oh bah putain, bah bon courage pour demain. Ah oui, ça va piquer un petit peu, tu vas pas avoir beaucoup de sommeil, hein. Bah bon courage et merci d'être passé en tout cas, ça fait très plaisir. Ouais, la PS Vita, mauvais timing. Et ouais, je suis d'accord avec toi, la Switch, c'est du Nintendo 100%. Ils savent faire, hein. Ils savent faire, de toute façon. Hein. Et ils l'ont bien compris. Hein.
La PS. La PS, putain. La Switch Lite, j'avoue que c'est cool d'avoir pensé à toutes les bourses. C'est bien. Maintenant, 200 balles, alors que la première, tu peux la trouver à 250 assez facilement. Je suis pas sûr qu'il se soit vraiment très très bonne idée. Ouais, j'ai vu ça, c'est vraiment stylé. Bah, j'ai vu pas mal de gens streamer sur ça. Et en vrai que ça donne envie. Ça donne vraiment envie. Ouais, je pense que si demain j'ai une Switch, ça peut clairement être un facteur. Et bonne nuit, Bullien. Merci à toi de passer. Merci pour les conseils que tu m'as donnés. Tu m'as bien aidé sur ce coup-là. Je te remercie beaucoup. Et à bientôt, bonne nuit. Et bon courage pour le taf, etc., etc. Toi-même, tu sais. Les petits caches, là. Les écritures, c'était assez de là. Hein. Ah bah c'est écrit en nippon. Et merci. Non, sur la photo de. Sur la photo de iFixit, c'est pas en français ni en anglais, c'est en nippon. Du coup, j'ai pas pu voir ce qu'il y avait écrit. Pour savoir quelle étiquette va où. C'est les étiquettes derrière ça. Bon, on va la retester une dernière fois. J'ai oublié aucune vis. Oh là, j'ai oublié aucune vis. Elle s'est remontée nickel, hein. Il y a aussi Roller Champion qui va bientôt sortir et il sera gratuit. Roller Champion, c'est quoi? C'est le jeu d'Ubisoft là? Hop, on reteste un dernier coup. Alors ça ne sert à rien de switcher de scène car Elgato, tout simplement. Hop, on re-switch. Et hop! Oh putain, nuit blanche. Quoi? Ça va pas la tête. 5 heures, c'est déjà bien hein, pour dormir. Hein. Je sais pas quand même. Ah, elle s'allume, elle va jusqu'au bout. Je vais pouvoir lui envoyer une photo. Y a pas de disque dedans. Tant pis. Bah nickel, hein. Elle s'allume. Hein. Elle s'allume. C'est cool. Je suis content. Ouais, je suis content aussi. J'ai de la chance que le problème ne soit pas grand-chose. Et bonne nuit Audrey, du coup, merci à toi d'être passé aussi, comme d'habitude. Ça régale. Ça fait plaisir. Mais ouais, du coup. Qu'est-ce que j'allais dire? Le jeu de roller, ouais, il a l'air vachement cool. Il a l'air très très cool. Donc bon. Moi, je pensais même qu'il était déjà sorti. Je mets juste un petit coup de nettoyage, comme ça, elle est toute propre.
Le viewer de l'ombre. Il y a toujours un viewer de l'ombre. Merci. Merci. Je vais juste prendre une petite photo pour mon pote. Hop, je lui enverrai un peu d'électronique en continuant à te regarder. Tiens. Ah bah écoute, c'est très très bien aussi. Tu bricoles, tu vas développer quoi du coup? Hop, on va l'éteindre en restant appuyé. Enfin, tu vas programmer quoi. J'avoue, j'ai quelques petits projets d'électronique qui attendent. Et en vrai, ça va. Niveau chauffe, je pense que je suis pas mal. Niveau chauffe, je suis pas trop mal. À l'arrière, là, ça chauffe pas trop. Ah oui, bon, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Elle est propre. Elle est propre. Bon, bah, c'est une console qui repart pour des années de service. Ça, c'est sûr. C'est dans le cadre. Ah oui, d'accord. Non, non, mais là, les. ESP32, si, de nom je connais. Du coup, l'autre ESP, bah, ça doit être un même type. Et après, DHT11, je connais pas. Mais si, je connais un petit peu. Et comme je suis bien lancé et qu'on va continuer un petit peu ensemble ce soir, pas trop longtemps, mais on va continuer encore un petit peu, j'ai un petit truc à faire. Hop! Elle est dans son sac, prête à repartir. On va repartir. Bah alors, on va repartir sur un modèle un peu plus vieux. Ah bah c'est cool. Merci d'y aller, ça fait plaisir. Que tu rediriges les gens vers un autre site pour le démontage des consoles. Ah ouais, j'ai redirigé vers quoi? Ça me dit rien, je me rappelle plus. Ah, sur certains, bah c'est quand j'ai pas fait de tuto, j'envoie un lien vers un tuto, tout simplement. Moi, ça me dérange pas de partager l'audience, si je puis dire. Donc, franchement, moi, ça me dérange pas trop. Ah oui, ça continue, oui. Ouais, iFixit, bon, en même temps, iFixit, je t'avoue, tu tapes comment démonter n'importe quoi et iFixit, tout simplement. Donc, en vrai. Bah là du coup maintenant en fait j'ai cette Game Boy que j'ai entièrement modée. D'ailleurs je vais vous montrer à quoi ça ressemble une Game Boy modée. Donc j'ai cette Game Boy que j'ai entièrement modée, que j'ai achetée peu cher sur la toile. Bon attendez, qu'est-ce que j'en ai? Je sais plus d'où elle sort celle-ci. J'avoue que des Game Boy je commence à en avoir au final. Ah, si vraiment là on peut passer la soirée on peut passer la soirée à démonter des consoles hein, avec tout ce que j'ai autour de moi si je vous fais un petit tour on a de quoi passer une très très bonne soirée.
Ouais, je suis chez MO5. Je suis chez MO5. Hop! Pour le but! Alors malheureusement, vous avez un. C'est peut-être avec ça. Je tente des trucs, hein. Pour éviter d'avoir ce balayage. Ouais, non, c'est pareil. Du coup, j'ai tout déréglé. C'est assez terrible. Voilà, c'est pas trop mal. Mais en vrai, jour, nuit, jour, nuit, c'est un peu ça. Bah, du coup, en parlant de jour, nuit, si j'éteins ça et que j'éteins ça, elle est rétroéclairée comme vous le voyez. C'est beau ou pas? Et ça, une Game Boy, c'est pas rétroéclairé de base. Et c'est pas aussi visible d'ailleurs. Mais en vrai, inscris-toi, ça coûte 15 euros à l'année. Tu peux donner plus, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Mais en vrai, on a toujours besoin de coups de main. On a toujours besoin de coups de main, donc vraiment, faut pas hésiter à s'inscrire tant que t'as deux bras et tu peux toujours aider. Hein. Il y a des GB rétroéclairés qui ne sont sortis qu'au Japon, je crois. C'est des Game Boy Pocket qui sont sortis. Ça s'appelle une Game Boy Pocket Lite. C'est sorti en 95. C'est des modèles assez rares qu'on trouve bah, uniquement au Japon, du coup. Et qui était rétroéclairé de base. Et c'était le premier rétroéclairage de la marque, si je ne m'abuse. Et puis après, on a eu la Game Boy Advance SP. Un peu demandé. J'ai une mini Shinifi. Franchement, je t'avoue que là, Angel, c'est un peu compliqué pour moi, ça. Hein. Enfin, c'est surtout que je. Tu vois, là, une Game Boy à démonter, tu regardes sur internet, t'as des tutos, tu vois, t'as des guides, les gens pourront t'aider. Que j'avoue, une Shinifi un peu. Si c'est pas une marque hyper connue, c'est un peu compliqué. Hein. Bah, la Color, elle était pas rétroéclairée. Et à moins que je me trompe, elle n'est jamais sortie en rétroéclairage, la Color. Vous aimez quand je me rapproche du micro comme ça? Hop, on prend le petit tournevis. Ouais, la GS101 sur la Advance SP, il était fou. Sur la GBA qui se referme. Ah oui, d'accord, j'ai compris pourquoi t'as dit qu'il se referme. Ah, et donc du coup, oui, cette console, j'ai changé du coup la coque et le rétroéclairage, j'ai rajouté un bivert qui permet d'avoir un meilleur contraste, et j'ai laissé plein de petites poussières au niveau de l'écran, donc c'est chiant, on va les enlever, et en plus de ça, les boutons là, ils sont pas fous, les membranes elles sont usées avec le temps, ça se déchire assez facilement, et du coup on va les remplacer, c'est aussi simple que ça. Petite séquence ASMR, on peut se régaler effectivement. L'ASMR, ça régale, hein. On va pas se mentir. Du coup, je me dis que là, il est quoi? Il est minuit. Ok, on va continuer un petit peu avec ça jusqu'à minuit 30. Ça va être bien. Tu pourras voir ma super étagère en photo. En faute. ATP. Hard to play du coup. Super étagère. Pourquoi t'as super étagère en photo? Tu l'as en photo, tu vas me la montrer, c'est ça? Tu vas venir me la montrer à la hard to play? Ou tu vas ramener ton étagère à la hard to play? Je pense que tu peux ramener ton étagère à la hard to play, ce serait plus sympa, c'est plus convivial. Tu fais un cosplay étagère et tu poses tous tes trucs dessus. Franchement, ça c'est cool. Je pense que c'est une bonne idée, fais quelque chose. En vrai, MO5, en plus, il y a un Discord
qui est accessible à tout le monde. Et les gens sont vachement cool. Et les gens sont vachement cool, hein. Bah, y a plein de consoles dessus. Le bon cosplay bien foireux. Donc ça, c'est le Biverte que j'ai installé. C'est la petite puce qui permet de changer l'éclairage un peu. Mais sauf que je l'ai foiré. Normalement, c'est plus simple. T'as pas de scotch ni de fil. C'est vraiment une puce que tu mets et que tu soudes. Salut, Saint-Frater. Et sauf que là, je l'ai complètement foiré et j'ai repucé à la main. Elle a à peine 20 ans. Aïe, dur. Ouais. D'ailleurs, en parlant de chaîne, enfin de Sono qui a 20 ans, j'ai vendu à Easy Cash mon home cinéma Onkyo. Parce que j'en avais plus l'utilité, j'ai acheté une barre de son. Oh, merci pour l'hébergement. Du coup, j'ai vendu ça. Et du coup, quand j'y suis allé, je leur ai montré et tout, ils m'ont dit combien vous en voulez. Je lui ai dit, bah j'en ai aucune idée, je sais pas ce que ça vaut. Alors lui me dit ouais, ok, il regarde. Ouais, c'est une bonne marque. Et du coup, il regarde et tout, il me dit ouais, d'accord, on en a quelques-unes. Vous êtes sûr, vous savez pas combien vous en voulez, etc. etc. Je lui dis bah non, non, vraiment, j'en sais rien. Je lui ai ramené en plus des enceintes JBL. Et salut, Settler SW, bienvenue à toi. Bienvenue à toi, Settler. Oh putain, j'ai du mal à parler, c'est terrible. Et du coup, le mec me dit qu'il potentiellement peut me la reprendre. Et il me dit 30 euros. Il me dit parce que moi, de toute façon, des trucs comme ça, je pourrais la revendre 60 grand max. Et merci à toi pour le follow. Il me dit, je pourrais la revendre grand max 60 euros, tout au plus. Je dis, bon, bah écoute, ok, bah vas-y, 30 euros, moi ça me va, de toute façon, je sais pas quoi en faire, et sur le bon coin, j'ai pas envie de me faire chier à la vendre, ça se trouve, j'arriverai pas à la revendre et tout, donc vas-y. On fait comme ça, vendu. Et arrivé là, j'y retourne pour acheter le Ventilo Noctua pour mon PC, là, qu'ils avaient d'occasion à 6 euros. Et voilà pas que je vois mon home cinéma dans la vitrine. À combien? 99 euros. Ah bah dis donc mon salaud. Entre 60 et 99, il y a quand même 40 balles de différence. Hein. Tu m'as un peu roulé dans la farine. Donc après, c'est peut-être sûrement le prix que ça vaut. Il y avait quand même pas mal de. En termes de connectique, elle était vachement fournie. Ouais, il faut payer la vitrine, c'est clair. Bah là c'est un easy cash. En vrai non, je leur en veux pas. Je leur en veux pas. Moi 30 euros, je suis content de ce que j'ai pu récupérer, sachant que le truc allait sûrement traîner dans la poussière, dans un bas de placard, j'en aurais rien fait. Donc en vrai, je suis quand même content de mes 30 euros, sachant que c'est un truc qu'on m'avait donné à la base, donc j'ai jamais rien dépensé sur ce truc-là. Donc en vrai, j'étais quand même content. Maintenant qu'il m'ait menti à me dire ouais, je le vendrais 60 balles grand max. Ça m'embête un peu plus. Mais bon, c'est comme ça, c'est leur façon de faire aussi, ils n'ont pas le choix, c'est des vendeurs. C'est des vendeurs, ils ont besoin de faire un chiffre, ils ont une boutique physique à rentabiliser, donc bon. Donc bon. En vrai, ça dépend. Pour les Easy Cash et Cash Converter, ça dépend. Moi, j'avais ramené un PC à MSI Gamer en 14 pouces. Déjà, gamer et 14 pouces, c'est quand même à mettre entre grosses guillemets. Bref. Et c'est un PC, je pouvais revendre sur le bon coin en étant patient 400 balles à peu près. Et je l'ai emmené à Easy Cash. Et le mec me l'a repris 350 en cash sans souci. Il n'a même pas essayé rien. Enfin, si, il l'a allumé, il a fait ses petits tests vite fait. Mais il a même pas fait de test, le garder une semaine, etc. Donc en vrai, voilà. C'était pour le coup, ça dépend de ce que tu ramènes. Il y a des trucs, j'ai mon pote, la dernière fois, il ramène un téléphone sous Android 2. Genre vraiment, le téléphone, tu peux rien en faire. Genre, techniquement, même si tu veux l'utiliser, tu peux pas vraiment l'utiliser. C'est trop lent, ça rame, tu vas pas sur YouTube, les applications sont plus compatibles, il n'y a plus rien.
Tu peux vraiment faire que dalle. Le mec l'a quand même vendu 25 euros, un Easy Cash. Franchement, 25 euros pour un téléphone qui en vaut 5, ça vaut le coup. Franchement, ça fait plaisir. De Quimper. Ah putain! C'est vrai ça? Quimper, c'est loin de la Hard to Play? Sur Engage pour ma collègue, mais bon. Ah ouais, pareil. Franchement, Engage, j'en ai cherché. Et ça se trouve pas facilement. Ah, 300 km environ. Ouais, bah je vais peut-être pas y aller du coup. Du coup, ça fait un peu loin. C'est dommage. Donc là, on a nos petites membranes et on voit qu'elles sont un peu ouvertes. Donc c'est un peu problématique. On va les changer. Et d'ailleurs, j'ai le vice-président de MO5 qui m'a donné une astuce, qui m'a dit quand tes membranes elles marchent plus trop, ce que tu peux faire, c'est, je sais pas si vous connaissez sur les voitures, le dégivrage du pare-brise arrière, c'est des petits filaments qui sont posés sur le pare-brise, ça fait office de résistance et ça chauffe le pare-brise et du coup ça enlève la buée, ça enlève le, enfin ça fait dégivrage. Et du coup il m'a dit ça, quand c'est cassé, ils vendent des petites fioles avec un petit pinceau et c'est une sorte de peinture conductrice. Et donc, du coup ça, tu le mets là-dessus et ça marche du feu de Dieu, il m'a dit. Donc en vrai, je prends. Je prends comme astuce. Va peut-être revenir pour le Pixel Festival en février. Cool! C'est sympa. Ouais, il est méga cool, hein. Edouard, il est méga posé, super sympa. C'est stylé. En ce moment, je vais target la collecte de la totalité des Metal Gear. Il va falloir une MSX. Putain, MSX, ouais, faut trouver, hein. Faut trouver. Bon, il y a un truc que je target un peu en ce moment, c'est une Saturn. J'aimerais bien en trouver une. Bah, du coup, ouais. C'est là où que je l'ai vu pour la première fois, cette année. Et tout à l'heure, il était chez moi. C'est quand même fou. C'est quand même fou. J'arrive pas. Hein. Bah, trader, je pense qu'ils ont pas mal de choses. Hein. Je pense qu'MSX, en cherchant un peu sur le bon coin, tu peux en trouver. Hein. Ou peut-être sur eBay, comme c'est un peu plus obscur. Oh, et d'ailleurs, le saviez-vous, sur Vinted. On peut acheter des. Il y a des consoles à vendre. Putain, mais c'est impossible d'enlever toute la poussière là-dessus. Ouais, pareil. Je connais pas non plus. Hein. MSX, j'avoue que. Ah, d'ailleurs, faut que je vous montre. Ouais, même sur Vinted. Et il y a des bons plans, hein, parce que du coup, Vinted, c'est des gens vraiment qui vident, qui sont là pour vider leur truc. Donc, vraiment. Faut pas hésiter. Bon, c'est chiant la poussière. La poussière, c'est chiant. Le saviez-vous? La poussière, c'est chiant. Bah moi aussi je pensais que c'était que des fringues, mais aujourd'hui on m'a dit que c'était pas que des fringues. Donc bon à savoir.
Je viens de jeter un œil. Et alors, t'as trouvé des trucs? Moi, j'ai pas vu énormément de choses, mais il paraît qu'il y a des bons plans de temps en temps. Faut surveiller, je pense. C'est à surveiller. Je pense qu'à tout moment, la Game Boy à 2 euros, elle tombe, tu vois. Ça a marché pour mon pad PS4. De quoi? Qu'est-ce qu'il avait ton pad PS4? De Wii, une à 60 et une à 90. Ouh, ça fait cher la Wii, hein? Il marche plus. Qu'est-ce qu'il a ton pad PS4? Et merde, j'ai fait une trace de colle. Ça, c'est le moment un peu chiant, hein, vraiment. C'est comme quand tu poses un verre trempé. Qui vend des AirPods Pro à 79 sur Vinted MDR. Je sais même pas le prix que ça vaut des AirPods Pro. J'ai vu qu'ils avaient sorti ça. Je suis pas très Apple. Je connais pas trop leur matos. Je l'avoue. Ouais, mais attends, à 79, ça va être des faux. Hein. Ou c'est pas des pros. Les mecs se foutent de votre gueule. Je pense que c'est pas des vrais. Hein. À 200, à 80 euros, c'est pas des vrais. Ah ouais? Éviter les crashs sur la Wii U. Ah, quel genre de crash? Dis-moi tout. Moi, j'ai une Wii U qui lit pas tous les jeux. Il faudrait un jour qu'elle va passer ici. Ah. Et Angel Fire qui lâche son plus beau subprime. Merci à toi. Merci beaucoup. Ouais, ça sent l'arnaque, hein. Mais non, pas la pire console, elle est très bien. Minecraft qui plante. J'ai pas eu de soucis, moi, avec Minecraft, en vrai. Ouais, moi aussi, je l'aime bien, en vrai. Hein. Le gros pad comme ça, c'est marrant. Moi j'aime bien. Bizarre. Wardcorporation.com.
Qui ce c'est? Oula! Oula! C'est même pas que ça a l'air d'être du dropshipping, c'est que c'est du dropshipping. Mais bien sûr que c'est du dropshipping. Mais mille fois, mais ça le sent. C'est un Shopify. Livraison La Poste 5 à 7 jours gratuite. Ah, c'est bizarre. C'est du mi-dropshipping, mi-pas dropshipping en fait. Dropshipping, j'ai failli en faire. Quand c'était pas encore polémique. Ah oui, d'accord, super. Ah, les mecs, attends, font des... Mais c'est fou, ça. Je suis choqué. Le mec vend sur Vinted et te redirige vers un site comme ça? C'est bizarre quand même, hein? C'est marrant que Vinted tolère les liens dans leur annonce. Dropshipping, c'est de la vente. C'est-à-dire sur MSX 300 €. Il va peut-être falloir économiser un petit peu alors. Dropshipping, c'est de la vente. En gros, c'est quand tu fais ta commande chez le gars réceptionne ton bon de commande. Enfin, voit qu'il y a une commande et plutôt que lui n'a pas de stock chez lui. Enfin, ça va passer directement, il va dire au fournisseur, au lieu de l'envoyer à son dépôt à lui, il va l'envoyer directement à toi. Du coup, le fournisseur envoie directement à toi. Ce qui fait que le vendeur ne prend aucun risque et n'a pas de stock. Mais du coup, le plus souvent, ce que font les gens... Attends, je t'explique après, je t'explique après. Ce que font les gens, c'est qu'ils achètent sur AliExpress des produits très peu chers et ils te marquent scrupuleusement que c'est en France, que la livraison... Non, c'est pas la livraison, c'est ils jouent sur les mots, ils marquent l'envoi, je crois que c'est envoi en genre 3 jours ouvrés, un truc comme ça. Mais forcément, l'envoi, il se fait vite. Mais sauf que quand ça vient de Chine, ça met 3 semaines à arriver, t'as aucune garantie. S'il y a un problème, le site il ferme instantanément. En fait, le truc qui fait polémique un petit peu, c'est que les gens, les sites dropshipping, ils les font à l'appel. Non, non, c'est en bien, t'inquiète. Ils le font à l'appel, c'est-à-dire que ils achètent un nom de domaine, ils font une campagne de pub Instagram avec soit des influenceurs, soit juste une pub Instagram, etc. Ils font leur site. Ils vendent pendant 1 à 2 semaines, donc il y a un chiffre qui se forme. Toi, tu reçois ton truc, sauf que tu reçois un truc qui n'est pas légal parce que c'est de la contrefaçon à 200%. Et donc, du coup, tu te retrouves avec un produit qui ne te convient pas. Et eux, le site, il ferme 2 semaines après et t'as plus de réponse, t'as plus de nouvelles, t'as plus rien. Et du coup, voilà, tu peux te retourner contre personne. En gros, c'est ça le gros problème du dropshipping en ce moment. Et moi, j'ai failli en faire, parce qu'en fait, moi, ce que je voulais faire avec un pote, c'est qu'on avait vu que le dropshipping, ça se faisait. Et sauf que nous, moi, je voulais le faire avec lui, mais qu'on le fasse légalement. C'est-à-dire que s'il y a un problème, bah, qu'il y ait un retour, qu'il y ait un vrai SAV, etc. Que vraiment, que ce soit dans la légalité, que les taxes, qu'on se fasse pas une marge de ouf dessus, mais qu'on se fasse quand même une marge pour survivre. Ce genre de choses. On s'est renseigné même à la Chambre des commerces. On a fait une formation qui nous a coûté, je crois que c'était 60 €. Pas terrible, et quand on est arrivé là-haut, on leur a dit ouais, du coup, ça serait pour le dropshipping, d'accord. Qu'est-ce que c'est? Ils savaient même pas ce que c'était, c'était une blague, c'était assez fou. Enfin, bref, du coup, on a voulu le faire, et puis on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas viable de faire ça légalement en mode pouvoir en vivre et tout, c'est compliqué, c'est pas possible.
S'écoute, pas de marque, inutile de demander si ce sont des vrais. Ce ne sont pas des vrais, puisqu'ils n'ont aucune marque apparente, style AirPod Pro. Ah! Donc c'est légal son site. Ok, il faut lire la description. Ah, et aussi, petite particularité du dropshipping, c'est que quand tu vas sur leur site, c'est la promo du siècle. C'est du moins 70%, moins 80% sur un stock où il en reste que 6. Donc c'est vraiment pour que la personne aille sur le site, ne lise pas et vraiment achète le produit et se dise putain, je me suis vraiment fait une bonne affaire et maintenant j'ai plus qu'à recevoir. C'est aussi la particularité des sites. Et donc ouais, nous on a voulu le faire légalement, mais c'est pas viable légalement. Enfin, c'est même pas légalement, parce que légalement tu peux le faire. Tu vois, si tu dis que tu fais aucun retour, ça tu peux, t'as le droit. T'as le droit de dire qu'il n'y a pas de délai de rétractation. Mais éthiquement parlant, moi ça m'intéressait pas, quoi. Et du coup, même à la fin, avec des Shopify, des PrestaShop, etc., donc des CMS qui te permettent de faire ta boutique en ligne, tu pouvais même tout automatiser. C'est-à-dire que le mec faisait une commande, la commande était automatiquement envoyée chez le fournisseur enfin, et ça envoyait directement à la bonne personne en spécifiant bien que c'est du dropshipping et que du coup, il ne faut pas écrire que ça vient du fournisseur, mais que ça vient de toi, enfin, ce genre de choses. Donc voilà. T'es toujours obligé de gérer la garantie légale normalement. Ouais, mais après, t'es pas obligé de pré... Enfin, je sais pas, ils arrivaient à contourner le truc. Je sais qu'il y a des moyens de contourner ce genre de choses. Non, pas quand tu... Il est fait avec WordPress, mon blog. Ça, c'est marrant. Tu demandes comment il est fait et mon blog se pointe. Salut. Salut, toi. Il est bien fait, Wizbot. D'ailleurs, pour vous dire, quand on était en train de se lancer sur ce business-là, on était à fond à regarder des vidéos des vidéos et à traîner sur des blogs d'influenceurs. Pour moi, ça, c'est vraiment le terme influenceur a tout son sens à ce niveau-là. De mecs qui te disent, bah, en fait, lance ta boutique en dropshipping, t'auras pas de problème, tu verras, c'est cool, etc., etc. Putain, mais il y a plein de poussière là-dessous, là, ça m'agace. Soulja Boy, non. Non, je regardais pas les vidéos de Soulja Boy, mais des influenceurs, ouais. On s'est même rendu à une soirée pour en rencontrer un, etc. Et tout, avec d'autres personnes qui faisaient de ça, qui étaient dans le même cas que nous, à se lancer dans un truc. Alors créer des choses, je suis d'accord, hein, faut y aller à fond, hein, faut pas hésiter à se lancer pour créer des, se lancer dans je sais pas, dans un business, dans une entreprise, dès qu'on a une once de projet, bien réfléchir et essayer de se lancer, pas trop hésiter. Bien sûr, faut bien réfléchir, faut mûrement réfléchir avant.
Ça sert à rien de se lancer dans un truc alors que tu c'était à peu près sûr que ça va pas marcher. Part si t'as de la thune à dépenser, bien sûr. Oui, c'est sûr, mais après, sauf que si tu vends du produit sous une fausse entreprise, tu vois, si ton numéro de Siret ou de sirène, il est faux. C'était surtout ça le truc, c'est que derrière, c'est une société écran ou j'en sais rien, et du coup, t'as rien quoi. T'as rien qui est derrière. Et là, t'es baisé. Tu peux toujours essayer, ça marche pas. Ah putain, je vous ai déjà dit que la poussière et que les écrans en plastique c'était chiant. Je crois pas. Hein. Ah putain, j'ai empiré la chose. J'espère que j'ai pas rayé l'écran, ça va m'agacer. Oh là là, je vais passer plus de temps à m'occuper de changer ça et enlever trois pauvres poussières sur l'écran que à réparer la PS4. C'est quand même terrible. Eh ben bonne nuit Aruma, merci d'être passé, ça fait plaisir. Ouais, la poussière, c'est vraiment chiant. Tu mets un vieux morceau de cellophane. Ouais, non, mais grave. Le truc schlag de ouf. Comme ça, tu peux bien voir flou. Ça, c'est nickel. Demain, je reprends les cours. Ah, il dure! Bon, après, ça dépend quelle classe t'es. Et si t'aimes ça passe encore. Eh bah, ben, bon courage pour la reprise, en tout cas. J'en ai une, mais elle est complètement vide, faut que j'en rachète une autre. Et elle est pas ouf. Par les bases du code web. Ah bah c'est cool. C'est bien. Dev web, c'est la vie. Et bah amuse-toi bien. Je galère avec les poussières et le gras. Quelle horreur. Ah ouais, non, mais les binocles. Oh, plus t'as beau prendre des trucs anti-poussière, anti-reflet, anti-tout. Bah t'as toujours cette merde sur les yeux. C'est chiant. Alternance entre dev et école de dev. Ah! Tu fais ça en alternance du coup? C'est bien. C'est le meilleur moyen d'apprendre, hein. Honnêtement. Très bon choix. Bon, elle va être propre au moins cette vitre. Hein. Et bah, à plus. À plus, à plus. Normalement, mercredi prochain stream. Parce que samedi, je pourrais pas streamer. Et jeudi soir non plus. Donc, mercredi prochain stream.
Samedi, c'est vrai qu'on se verra en vrai, effectivement. Je ferai autre chose, faut que je vois. Je crois que j'arrive à sortir un article sur le blog. Pas besoin de bombe à air sec, suffit de souffler fort. Oh, la poussière, ça m'agace. Vraiment, les écrans en plastique, là, c'est l'enfer. Hein. Ils sont vraiment statiques, ils attirent toute la poussière. T'as beau l'enlever, elle revient. L'enfer. Oh, excusez-moi. J'en ai une autre, je la sortirai tout à l'heure là. C'est un écran en verre. Bah, c'est une vitre en verre du moins. Mais du coup, vitre en verre, c'est un peu plus chiant. Ouais, il faut la trouver, celle en verre avec la façade Pokémon. Sur tout ça. Salut Lubox. Faut le faire toi-même. Ah oui, d'accord, ouais. Non, le verre moi-même, j'en suis pas là encore. J'ai l'imprimante 3D, fait pas encore aussi transparent que le verre. On va pas trop en demander. Pourquoi j'ai une poussière là qui s'en va pas? Ah bah non, va-t'en par contre. Tu veux la Vita sur un grand écran? Alors là, aucune idée. Tu prononces bien mon pseudo. Ah! Bah écoute. Pour une fois. Pourquoi j'ai une tache là qui veut pas s'en aller? Pourquoi tu veux pas dans. Va-t'en! La PSP sur un grand écran, j'aimerais en faire autant avec la Vita. Bah, la Vita pour jouer sur grand écran, émulateur, malheureusement. Mais en vrai, si je pense qu'il doit y avoir des mods, ça va être possible. Ça me fait chier, je vais être obligé d'utiliser du produit, j'avais pas envie. Voilà. Super. J'en ai foutu sur mon t-shirt. Yes, aïe. A fondu sur le verre, sur la vitre. Non, les écrans, ça chauffe pas. Sur une Game Boy, il n'y a rien qui chauffe. Si, le seul truc qui peut chauffer, ça va être les piles. Je pense que les piles peuvent chauffer sur une Game Boy. En tout cas, c'est cool, hein, ce soir. Ce soir, vous avez été nombreux à me regarder. Du coup, c'est sympa. Ça fait plaisir, c'est motivant. C'est vraiment motivant.
Putain, les gros points de poussière là. En fait, c'est satisfaisant. De quoi qui est satisfaisant? En vrai, si c'est pas parfait, tant pis. Hein. Je fais ce que j'ai pu. Hein. Je peux passer des années à poser un putain de verre. Oh, c'est pas mal là. Crois que j'ai des grosses traces en fait. Le démontage. Ah oui. Putain, mais j'ai des grosses traces de. Si tu la regardes bien de face, ça va. Mais si tu regardes en biais, t'as des grosses traces blanches de produits là. Oh, c'est pas ouf, hein. Ça m'agace. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse ça là comme ça? Ouais, bah ouais, c'est ça, ouais. Bon, allez, je laisse ça comme ça parce que ça me fatigue. J'ai pas envie de passer des heures et des heures là-dessus. J'ai déjà passé bien trop de temps. On va remonter tout ça. Et on va voir si les membranes, elles sont bien. On va voir si les membranes sont de bonne qualité. Salut, Urushiowa, comment vas-tu? Peut-être un nettoyeur à ultrasons. Ouais, je sais pas. Ça, c'est un truc, franchement, le nettoyeur à ultrasons que je me payerais bien. Ouais, je verrai. Je verrai ça. Parce que ça peut être vachement pratique pour nettoyer les consoles. Surtout les consoles portables, parce qu'elles sont vachement dégueulasses à chaque fois. Ah oui, j'ai ma link, ça a recapé. Ça, il faudrait que je commande tout ce qu'il faut et je vais la recaper. Ça peut être sympa, recaper une link. Ouais. Mais sauf qu'elle est capricieuse, elle s'allume quand elle veut. Donc je me dis qu'en la recapant, ça pourra peut-être la rendre plus stable. Et comme c'est une panne qui est assez connue sur les Lynx, les condensateurs à changer, du coup je vais m'en occuper. Je pense que ça se fait bien. Ça va pas être plus compliqué qu'une Game Gear. D'ailleurs, j'ai une autre Game Gear aussi à m'occuper. Faut que je m'en occupe. Faut que je m'en occupe. Mais ouais, la Lynx, c'est stylé. Faut que je trouve les bons condensateurs à commander. Sachant que j'en ai déjà quelques-uns pour les Game Gear. Je m'étais fait une boîte. Ah, je connais pas. Navré. On va voir si les boutons fonctionnent bien.
C'est pas parfait, mais c'est propre. Ça fera l'affaire. Vraiment, ça fera l'affaire. J'ai pas trop envie de me prendre la tête pendant 100 000 ans. Ah bon, laisse. Je vais chez le dermato un jour là, parce que c'est vraiment les seuls trucs à la main. Ça fait un peu trop longtemps que je les ai d'ailleurs. Je m'en occupe. Ça pourrait être cool. Alors surtout en plus avec les coques en plastique comme ça, faut faire bien attention parce que c'est du plastique qui est très fragile et il est potentiellement si vous serrez un peu trop fort, ça claque, hein. Ça claque et après vous êtes un peu niqué pour la refermer. Et faut faire gaffe aussi avec les vis, ouais, faut pas trop serrer, faut serrer juste ce qu'il faut. Et faut faire gaffe, c'est que les vis soient pas trop longues et que ça ressorte pas de l'autre côté. Ça arrive aussi. Oh, en vrai, c'est plus raide. On sent que c'est neuf. Mais c'est quand même agréable. À tester, voir s'ils fonctionnent tous. Mais y a pas de raison. Y a pas de raison que ça fonctionne pas. J'en ai commandé 3, des trucs comme ça. Je pense que je vais en commander plus que ça. Parce qu'à chaque fois que je fais un mod, il faudrait peut-être que je les change. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait du blog, mais pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un petit dossier, enfin un bon dossier quand même, sur la Game Gear, sur ce qu'il faut savoir pour en acheter une en 2019, enfin de nos jours, du moins. Ou pour ceux qui veulent s'acheter une Game Gear prochainement, n'hésitez pas à aller voir. Il y a ce qu'il faut savoir, les versions à acheter, les versions qui sont rares, etc., etc. Alors. Le focus le fait pas. Ah, il fait le focus sur son reflet, le con. Attendez, on va mettre un peu de. Ouais, c'est bizarre ça. C'est bizarre, parce que je crois qu'avec mon autre, je la vois pas. Oh non, ta gueule! Je voulais tester mes boutons! Stereo sound. Eh ouais mon pote. Ça c'est de la qualité hein. Ouais c'est vrai que c'est chiant cette synchro. J'avais réussi à l'enlever la dernière fois, à régler la caméra pour que ça fasse quelque chose de bien. Mais j'ai pas réussi hein. Bah ouais je sais mais je crois que la dernière fois j'avais réussi quoi. Là c'est bon, on le voit plus, mais on a perdu en frame par seconde. Ok, donc ça marche. Attends, je suis quoi moi?
choix comme bonhomme. Ouais. Voilà, c'est pas mal, mais tu vois, regarde, je suis à. C'est pas fou. Mais en vrai, pour un jeu Game Boy, je pense que c'est bien suffisant. Aïe. Bon, on va se faire un premier combat. En gros, j'ai diminué le nombre de photos prises. Ah, on peut augmenter un peu. Ah bah non, je suis con. Dans l'autre sens. Là, c'est un peu mieux. Là, on le voit à peine. Et c'est fluide. Là, c'est pas mal. Là. C'est un peu surex. Là, on est bien. Là. On la voit un tout petit peu derrière, mais ça va, on est pas mal. Non, l'ISO, c'est... Ouais, le nombre d'images par seconde, pardon, ouais. Et l'ISO, non, c'est pas ça. Non, je l'ai pas modifié. Parce que j'ai modifié... donc, le nombre d'images par seconde. Et le... je sais même pas si c'est l'ouverture, ça se dit F. Mais j'y connais trop peu en photo. Je sais qu'il faut la bouger pour faire quelque chose. Avec là, on est pas mal. Ça, c'est pas mal, là. La focale, voilà. Bah du coup j'ai bougé la focale pour récupérer un peu de lumière. Et là on est pas mal. Hein. Là on peut faire un live complet sur la Game Boy. Hein. Et là je décède. Ah non, il lance Mimiqueux. Le con. Vous savez que la dernière fois, le premier combat, je l'ai perdu. Hein. Bon, ça reste une GB. Bah en vrai, du coup, la GB avec le rétroéclairage, c'est tellement, mais tellement le feu. Ouais, le son à fond, par contre, ça casse les oreilles. Hein. Avec le rétroéclairage, c'est vraiment le feu. Hein. Moi, je... Honnêtement, n'importe quel Game Boy, mais avec rétroéclairage. Sinon, non. J'étais Team Game Gear. Game Gear que j'ai également ici. Edouard qui a la mienne aussi, qui en a une à moi. Qu'un jour je récupérerai. Ah, et Select, je sais pas ce qu'on peut en faire. De quoi la Game Gear? La Game Gear, elle est noire. Il y a eu plusieurs versions. Je t'invite à aller sur le blog, voir le dernier article qui a un dossier complet et tu as toutes les versions. Game Gear, c'est la version du Pokémon, pardon, j'étais ailleurs. Non, c'est Pokémon Rouge que j'ai. Et Game Gear, c'est elle que j'ai. N'empêche, c'est sorti les mêmes années. Hein. Il y a eu une version de la Game Gear sortie assez récemment. Alors, en écran, t'as l'écran McQueen. Qui coûte son pesant d'or. Et t'as l'écran... ouais, les plus récents, tu veux dire. T'as l'écran McQueen, qui est le plus bel écran, mais qui crop un peu, qui est pas pixel perfect. Mais c'est ce qui se fait de mieux. Qui a été sorti, et qui coûte cher, et qui est assez fastidieux à installer, c'est pas plug and play. T'as quoi d'autre? T'as un écran qui est en développement en ce moment. Qui va sortir, je crois qu'il sera moins comme un McQueen, enfin à peu près comme un McQueen, mais beaucoup moins cher. Ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Parce que le McQueen, il coûte beaucoup trop cher. Et sinon, il y a des améliorations que tu peux faire là-dessus, genre changer le néon, parce que c'est un néon, le rétroéclairage là-dessus, pour ceux qui ne le savent pas. Et sauf que le néon, bah, ça pompe toute la batterie, et bon, sur rétroéclairage, ça fait le taf. Ça fait le taf.
Par contre, ça pompe toute la batterie. C'est le problème. Et il y en a. Il y a une autre ficelle avec un écran différent. Bah, la toute dernière Game Gear qui est sortie, c'est celle avec qui est sortie qu'au Japon, qui est plus petite, mais je suis pas sûr que l'écran soit différent. Tu me mets un doute. Si t'as un lien, je veux bien que tu me l'envoies sur Discord. Sur le Discord de la chaîne, ça m'intéresse beaucoup. Ou les trois traits de gauche. Donne-moi 2 minutes, très bien. Et sinon, ouais, y a des améliorations que tu peux faire sur ta Game Gear pour l'améliorer nettement, notamment la modification du rétroéclairage. T'enlèves le néon et tu mets un rétroéclairage LED dessus. Franchement, c'est le feu. C'est le feu. C'est vraiment le feu. Tu gagnes en autonomie de ouf et ça marche bien. Bon, cette Game Boy, elle est pas dégueu. Au final, je suis plutôt content. Quand on joue, ça dérange pas du tout. Le contraste est bon. Et du coup, il y en a une autre que j'ai faite. Et hop! Et celle-ci a l'écran en vert. Et être aussi rétroéclairé. Malheureusement, j'ai pas les piles. J'ai plus qu'un Pokémon jaune rouge. Et puis voilà. Mais j'avoue que là, celle-ci, elle me. Très satisfait. Et les boutons, vraiment cool. Ah ouais, là, c'est plus. Là, faut bien appuyer, quoi. Enfin, ils sont plus fermes. Là, ils sont vachement fermes quand ils sont neufs. Mais ça passe. Là, c'est assez smooth. Hein. Mais ça passe aussi. Donc là, pareil, c'est une DMG 01. Elle est cool. Elle est cool. Les deux sont cool. Je suis content de mes deux Game Boy. Bon, je vais couper la musique. Là, ça me. Ouh là, ça commence à me taper sur le système. Voilà. Je vais juste regarder l'autre. Si au niveau de l'affichage, c'est pareil. De Magisco. Ça m'intrigue ton histoire là. Je veux voir ça. Game Gear Magisco. Ah ouais. C'est cool ça. Mais genre. Ah ouais, les trois traits, ils sont pas de couleur. Mais d'où ça sort, ça? D'où elle sort, celle-là, la Magisco? Ah putain, je vais regarder ça, hein. Ça m'intrigue de ouf. Hein. Je pensais tout savoir sur la Game Gear, et ben on en apprend tous les jours. Et ça, c'est cool. Je te remercie. Du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Tac, qui on a là? Pourquoi je peux pas voir? Pourquoi il y a que des gens comme ça? Alors attendez, tac. Alors, je regarde juste un petit truc. Ah bah c'est du...
C'est du semi-rétro, ça, on va y aller. Hop. Que dire? On va s'arrêter là, hein. Ça fait 3h20 qu'on est sur le live. Donc, ça fait plaisir. Ça s'est bien passé. Vous avez été présents. Les deux trucs que j'ai voulu faire, ils ont marché. Donc, ça fait plaisir. Pourquoi je l'ai pas? Pourquoi? Ah, bah voilà. Donc, ça fait plaisir. Là, je vais lancer un raid chez une poteau qui fait du stream. Elle fait du DuckTales actuellement. Le remaster sur Switch. Donc, bon, voilà, je vous invite à aller lui faire un petit coucou. Et puis c'est tout. Tout simplement. En tout cas, ce fut un plaisir. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci à tous ceux qui sont passés. Merci pour les follow. Merci pour les subs. C'est très très cool. On se dit à plus pour un prochain live, c'est-à-dire mercredi. Je vous fais ce genre de doux bisous. Et on se dit à très bientôt pour un prochain stream. Et tchuss, bonne nuit à tous. Bonne nuit Angel Fire, bonne nuit Nolan, bonne nuit Pignoufou. À plus, à plus.